Exactement, avec Marie Morgan qui commencera dans les buts, avec un 4-4-2 classique, un 4-4-1-1 plutôt, avec Manon Révéli en latéral droite, Jezekel qui viendra avec Maïwenn Renard derrière, à deux derrière, et puis Perea qui complétera cette ligne de 4 en latéral gauche, accompagné de Teinturier, Richard, Starova et Traoré, pour finir à deux devant avec Cambo et Péniguel, sachant que voilà, Sarah a plutôt ce rôle, hein, on le dit depuis le début de la saison, assez libre, d'électron libre, qui pourra venir aussi dézonner un peu plus bas. Ouais, et le retour en tant que titulaire de Aissata Traoré, qui a été auteur d'une remarquable rentrée la semaine dernière, au moment où les 22 joueuses entrent sur la pelouse. Un point sur le 11 aligné par Jocelyn Prêcheur, l'entraîneur de cette équipe féminine du Paris Saint-Germain, avec désormais ce 3-5-2 qui est le système type depuis quelques semaines, et donc le duo d'attaque au grand complet Chawinga Katoto pour apporter le danger ici dans les Côtes d'Armor. Sakina Karchaoui capitaine à nouveau, et donc cette défense à 3 dans les buts, Constance Picot. Voilà pour les deux compositions, les 22 joueuses à Guingamp dans ses couleurs caractéristiques et traditionnelles, maillot rouge, short noir, et donc les Parisiennes tout de blanc vêtues aujourd'hui sous le soleil de Guingamp. Les conditions sont vraiment parfaites, hein. Ouais, elles sont optimales, avec un très très beau terrain. Il n'y aura pas d'excuses de faux rebond pour le coup. Voilà, il y aura des coups à jouer, hein, pour les Guingampaises, peut-être moins que d'habitude, ça c'est une certitude, mais voilà, il faut embêter cette équipe parisienne là, peut-être aller les chercher haut aussi sur leur relance. C'est une possibilité et il n'y a rien à perdre de toute façon sur ce genre de match-là. Les deux capitaines, Sarah Cambo pour Guingamp et Sakina Karchaoui, l'internationale, également numéro 7 pour le Paris Saint-Germain, aux côtés du trio arbitral qui officiera sur la pelouse, Céline Jeannot, l'arbitre central, assisté de Valérie Todeschini et de Amira Hamdouni. Voilà pour les arbitres qui nous accompagneront, et les deux coachs qui se saluent maintenant, Jocelyn Prêcheur et Mathieu Ruffier. De l'autre côté, Guingamp Paris Saint-Germain, affiche de prestige, match de gala et une tribune face à nous qui se remplit. C'est une bonne nouvelle, hein, ici à Roudourou, ouais, de pouvoir accueillir plus de public que d'accoutumé. Hein. Non, tout à fait, c'est l'objectif, hein, de pouvoir accueillir les clubs aux alentours aussi, avec lesquels on est partenaire, qui puissent assister à une très très belle rencontre de football féminin avec des stars connues mondialement, hein, surtout du côté des Parisiennes. Donc c'est des super moments à vivre, hein, quand on est jeune footballeuse et fan du Paris Saint-Germain aussi, parce que généralement, même si elles viennent pour supporter les Guingampaises, on en a beaucoup, voilà, qui viennent aussi voir, prendre des photos, signer des autographes avec les Parisiennes. Il fait pratiquement 25 degrés cet après-midi ici dans les Côtes d'Armor. Une température quasi estivale. En tout cas, le printemps est bien lancé sur cette belle pelouse guingampaise. Le PSG, hein, qui arrive pratiquement au complet, hein, cet après-midi, pour cause. Si les Parisiennes ont beaucoup enchaîné en 2024, elles ont eu le temps de se reposer ces derniers jours puisqu'elles n'ont pas joué depuis le 31 mars. Hein, c'est le premier match en avril. Ça fait deux semaines qu'elles attendent de retrouver la compétition. Certes, il y a eu également la petite séquence internationale pour certaines d'entre elles. Hein, c'est le cas de Katoto. C'est le cas de Grace Gueyoro qui a été ménagée. C'est l'une des rares joueuses à avoir été ménagée pour ce déplacement en Bretagne. Oui, tout à fait, Damien. Et puis, faudra faire une très très belle entame de match, hein, sur les cinq premières minutes qui vont être super importantes pour les Guingampaises. Si on arrive déjà à être solide défensivement sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, ça sera bon pour le moral et il y aura peut-être quelque chose à faire. L'objectif étant bien évidemment de ne pas prendre de but sur cette première mi-temps. Le coup d'envoi fictif qui vient d'être donné, il y aura également une minute de silence dans les tout prochains instants pour rendre hommage à un dirigeant guingampais, membre du club. Ernest Boléa, qui nous a quittés récemment. Ce sera une minute d'applaudissement.
Alors l'enjeu, Mathis, hein, pour cette équipe d'en avant Guingamp sera déjà de marquer, hein, cet après-midi, parce que sur les trois dernières rencontres face aux Parisiennes, c'est une chose qu'elle n'avait pas réussi à faire au match aller. On rappelle qu'il y a eu un score large en faveur de Paris. Exactement, ouais, 5-0, donc c'est jamais évident en plus d'aller jouer à Paris, dans le nouveau campus, hein, d'ailleurs. Donc maintenant, ça sera tâcher de marquer, mais surtout d'être solide défensivement. Et c'est parti pour 90 minutes ici, sur cette magnifique pelouse, le stade de Roudourou, pour cette affiche de gala, ce match de prestige, l'antépénultième journée de D1 Arkema entre Guingamp et Paris. Le PSG deuxième, qui est engagé encore sur tous les tableaux, hein, les Parisiennes qui sont toujours en quête d'un possible triplé, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Elles seront opposées à Lyon. Elles sont également qualifiées pour la finale de la Coupe de France, où l'Olympique Lyonnais a été battu aux portes de la finale. Et puis en lice effectivement pour ce titre en D1 Arkema qu'elles ont obtenu il y a 3 ans. Ah ouais, les Parisiennes qui ont encore beaucoup d'échéances à jouer, et donc c'est important de bien se remettre en rythme aussi sur ce match-là. Oui, parce que c'est maintenant que ça commence. Effectivement, c'est la dernière ligne droite, c'est la période que les Parisiennes attendent. Et c'est pour l'instant Guingamp qui est à l'attaque. Allez, Guingampès qui ne s'était incliné 15-0 l'an dernier à domicile contre le PSG, un match qui avait été plutôt serré. Ouais, complètement. Hein. C'est toujours possible d'aller chercher des résultats sur ce genre d'équipe-là. On dit souvent qu'on se met au niveau de son adversaire. Et là, pour le coup, c'est un vrai challenge à relever pour les Guingampès. Donc forcément, on a ce supplément d'âme. Et généralement, ça transcende une équipe entière. Donc il y a possibilité d'embêter cette équipe parisienne aujourd'hui. Allez, le ballon dans les pieds de Sandy Baltimore. Avec Samoura à côté gauche qui transmet à Elimbi. Premier ballon intéressant pour le Paris Saint-Germain avec ce débordement côté gauche. Et le ballon qui file directement en sortie de but. L'importance de bien gérer ses couloirs aussi, de gérer cette joueuse lancée là. Ouais, c'est ça qui n'a qu'à sur le fait de jeter ou pas. Hein. Ça va être la clé. Sakina Karchaoui, le capitaine, hein, qui évoluait auparavant au poste de latéral gauche, qui a été recentré au milieu de terrain par son entraîneur avec un nouveau rôle à la clé. Et donc ce duo d'attaque, hein, qu'on surveillera évidemment, Mathis. Beaucoup de travail pour la défense, pour la gardienne peut-être. Ce duo d'attaque à Shawinga Katoto qui fait peur à toutes les défenses du monde entier, hein, soyons clairs. Exactement, et on le voit, hein, les Parisiennes, la volonté de vouloir récupérer haut et de... Bah voilà, d'inciter les Guingampaises à jouer beaucoup plus long, ce qui s'est passé là, ce qui fait que bah voilà, Paris récupère très vite le ballon, va pouvoir s'installer aussi dans le camp adverse. Après voilà, on voit que Guingamp est bien aligné, on voit bien un bloc compact ici, et ce qui délaisse vraiment les côtés là-dessus. On récupère le ballon assez vite. Voilà, Teinturier qui a remise derrière elle avec Revelli. Teinturier à nouveau pour tenter de lancer dans la profondeur Nina Richard. Le dégagement de Constance Picot qui relance finalement à court. Bien joué de la part de Karchaoui qui a réussi à se retourner, qui obtient la faute. Karchaoui, la capitaine. L'importance aussi, hein, ça va être la clé aujourd'hui, en tout cas de tout de suite se replacer à la perte de balle, ce contre-pressing super important, de travailler pour ses coéquipières. Alors je vous ai vu, Mathis, en photo tout récemment avec une équipe championne de France à Guingamp. En effet, oui, on est parti en futsal, donc une autre pratique aussi qui me semble importante à développer. C'est une pratique voilà, qui vient compléter aussi le football à 11. Avec des joueuses du centre de formation. Exactement. Attention à ce ballon dans la surface, avec la première possibilité pour Baltimore. C'est contré, ce sera un premier corner. Pour revenir à cela, voilà, c'est ça. C'est, on représente le lycée dans lequel les joueuses sont scolarisées, mais elles sont toutes licenciées à Guingamp. Et donc, on était parti à Reims pour jouer les championnats de France futsal. C'était une très, très belle expérience pour le staff. Encore plus quand on gagne, exactement. Voilà, l'avenir a du bon dans la région de Guingamp, avec ses joueuses féminines, un club historique du championnat de France de D1 Arkema. Le corner pour Paris avec cette tête. Le ballon reste dans l'aire de jeu pour le moment.
Baltimore à nouveau. Bon, un contre un. Ah, le centre sera trop fuyant. Et un petit peu d'air pour la défense bretonne. Ouais, c'est bien défendu. Hein. Essayez de limiter la prise de vitesse sur ce genre de joueuses-là. Hein. Voilà, dès qu'elles vont prendre de la vitesse, ça va être très compliqué après. Mais pour l'instant, c'est bien défendu là, sur ces 5 premières minutes. Pour l'instant, Guingamp fait un match solide. Voilà, Baltimore que l'on voit en position un peu plus avancée hein, que ses coéquipières au milieu de terrain qui jouent clairement juste derrière la ligne d'attaque. Allez, Teinturier pour essayer de conserver ce ballon. Récupération rapide avec Archaoui. Derrière elle, avec Le Guy qui transmet à sa gardienne. On voit hein, l'intention, la volonté des Rouges de maintenir ce bloc médian ici. Voilà, on va pas se jeter, on va pas se livrer, pas gaspiller de l'énergie inutilement. Et Bailin avec Shawinga, le ballon côté droit maintenant. Le Guy qui transmet à Baltimore. Le pied gauche de Baltimore, la transversale. On change d'aile avec Elimbi. Attention, ça va vite avec la latérale gauche. Ah, c'était une espèce de centre-tir. Ouais, je pense que c'était une volonté de frapper, mais on voit hein, cette capacité à vite changer ses appuis, changement de direction, et qui élimine rapidement Manon Revelli là-dessus. C'est vrai que c'est des joueuses qui sont très puissantes aussi devant, donc il va falloir être très vigilant là-dessus. Et on voit encore une fois cette volonté de vouloir récupérer haut, et Marie Morgan qui devra allonger. La jeune Tara Elimbi, hein, qui est l'une des révélations parisiennes de la saison, que l'on voit de plus en plus dans l'équipe, hein, elle a 18 ans. Ah ouais, une belle équipe du Paris Saint-Germain. Hein. Pour le coup, on les jouera aussi demain en U19. Ah. Donc ça va être aussi un beau match aussi, voilà, en espérant pouvoir les embêter sur les terrains de l'Académie. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas Tara Elimbi, déjà 18 ans, qui aura joué aujourd'hui en DU d'Arkema. Exactement. Samoura qui transmet à Eva Gaetano. Jade Le Guy, qui incarne l'avenir également du football français avec Chawinga. Attention à elle, Chawinga, la meilleure buteuse de la saison. Le bon tacle de Maïwenn Renard. Et c'est un bon retour de Maïwenn. Maintenant, si on veut être dans les détails, au tout départ, elle l'oriente vers l'axe. Et ouais, elle a passé ce premier aussi. Rideau. Hein. Ouais, c'est ça, complètement. Donc là, c'est la priorité hein, de fermer cet axe ballon-but. Et voilà, est encore plus rigoureux sur le placement. Bon pressing de Starova. Matisse qui a permis à son équipe de récupérer la balle, mais dans l'utilisation, il va falloir ensuite être plus précise. Exactement, sur les transitions, tout de suite se projeter. Alors ça va demander beaucoup d'efforts, hein, forcément, mais ça va être notre façon de pouvoir les inquiéter, en tout cas si on veut le faire. C'est tout de suite exploiter ces transitions à la récupération, avec ces excentrés qui se projettent rapidement. Et vous le disiez, beaucoup d'efforts, et c'est vrai que on n'est pas encore très habitué, hein, les organismes, à jouer sous les premières chaleurs, comme on dit, 25 degrés cet après-midi. Hein, c'est la température la plus importante du jour, 14h pour le coup d'envoi. Exactement, et je l'ai découvert surtout en Bretagne. Pour la petite anecdote, j'ai des joueuses qui n'aiment pas jouer sous le soleil, préfèrent jouer sous la pluie. Les habitudes. C'est sûrement ça, voilà, c'est ça. Donc ça peut jouer sur certains organismes. La défenseuse américaine Gaetano qui transmet à sa gauche à Tini Basamoura. Elimbi en première intention avec Karchaoui. Katoto, Karchaoui encore. Petite faute peut-être, l'arbitre laisse jouer. Elle a pas sifflé, et attention, elle n'a pas sifflé, tout le monde s'est arrêté. Et ça permet à Elimbi de trouver Baltimore où elles se sont gênées, les Parisiennes. Heureusement qu'elles se sont gênées pour les Bretonnes dans la surface de réparation. Et gros moment de flottement. Hein. Et tout à fait, être très vigilant sur ce genre d'action-là. L'arbitre n'a pas sifflé, continuez à jouer, ne vous arrêtez pas. Elles étaient toutes étonnées finalement de ne pas voir l'arbitre siffler, mais il y avait l'avantage. Ne vous arrêtez pas, hein. C'est des choses qu'on apprend en préformation, en formation. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, continuez à jouer. Ouais, c'est un gros avertissement. Ce serait vraiment dommage d'encaisser un premier but de cette manière. Heureusement, pas d'inquiétude derrière pour Marie Morgan, mais voilà, ça, c'est une première alerte. Capable de changer maintenant le couloir de jeu, d'avoir un peu plus de largeur ici à la récupération. Très peu de solutions pour Maïwenn, ça c'est compliqué après derrière.
On rappelle hein, sur le fond de l'attaque Guingampès, c'est Alison Penigel qui a marqué la semaine dernière un joli but hein, avec une magnifique feinte devant la gardienne adverse. Oui, complètement. Hein. Alison qui restait sur une belle performance. Aujourd'hui, qui risque d'avoir beaucoup moins d'occasions, mais le peu qu'il y en aura, faudra être tueuse devant le but. Allez, Karchaoui avec Baltimore encore, qu'on voit beaucoup dans ce début de match. Elimbi, ce centre, première intention, bien joué, bien saisi. De la part de Marie-Morgane Sieber, première intervention réussie. Ça met en confiance hein, pour une gardienne, comme on le disait tout à l'heure, elle va être mise en évidence, elle va pouvoir briller aujourd'hui, mettre en évidence. Hein. Quand on est gardienne de but, on aime ce genre de match aussi, parce que on finit sur un score de 0-0, c'est généralement grâce au gardien, à la gardienne, donc c'est des beaux moments pour briller. L'Alsacienne qui s'est imposée il y a quelques semaines hein, dans ce 11, qui a pris la place de gardienne de but titulaire. Le Guy sur le côté droit. Avec Corbin Albert. On a deux joueuses américaines hein, dans le 11 parisien. Football féminin aux États-Unis, hein, qui est l'un des sports majeurs également, avec l'équipe nationale américaine. Ah ouais, ça se développe de plus en plus, hein, des joueuses qui souhaitent s'épanouir là-bas, tenter leur chance aux États-Unis, qui partent sur des universités, des cycles de 3 ans, 3-4 ans. Et donc évoluer dans les meilleures facs aux États-Unis. Le ballon contré par Aissata Traoré. Et c'est vrai qu'avec ce système de jeu qu'on rencontre finalement assez peu, j'ai l'impression, en football féminin pour le moment, ce 3-5-2. En effet, c'est un peu plus rare, même si pour le coup, je l'ai mis en place avec les U19 sur la première phase de ce championnat élite-là. Ça permet aussi de récupérer des ballons assez hauts avec ces deux attaquantes et ces pistons qui vont chercher. Maintenant, forcément, on s'expose sur les côtés, derrière, dans le dos des pistons. Il faut avoir des joueuses rapides sur les défenseurs axe droite et gauche. Mais comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui a plus le ballon, risqueront pas d'être inquiétés sur ces situations-là. Ouais, bonne récupération dans un premier temps par Sarah Cambeau, mais ça n'a pas suivi derrière. Cambeau qui s'est un petit peu agacé justement de ce manque de suivi à la perte de balle parisienne. Ouais, devant une tribune, effectivement, je le disais, bien étoffée face à nous. Ah ouais, avec le soleil plein visage, là, oui, si vous n'avez pas les lunettes de soleil, c'est compliqué de suivre le match. Il doit faire très chaud en face. Ah ouais. Teinturier, le ballon par-dessus. Elle va obtenir quelque chose là-bas. Elle s'est battue comme une lionne, mais c'est elle qui est sanctionnée finalement, Penigel. Ouais, ça aurait pu être la première situation intéressante pour les Guingampaises. Ça va être aussi des coups à jouer, hein, tout ce qui va être coup de pied arrêté, la plupart du temps ils seront tapés directement pour essayer d'inquiéter les Parisiennes. On rappelle que dans le même temps, hein, Montpellier-Lille sur un autre canal d'FFF TV, on le rappelle, si les Lillois s'inclinent à Montpellier, Guingamp sera maintenu officiellement ce soir. Exactement, donc... Ça peut être l'occasion de fêter ça à la fin du match ou pas. Mais... Ça a été une saison pas facile hein, sur l'ensemble de l'année. Des moments assez pénibles hein, pour une équipe de Guingamp qui a l'habitude de ce championnat et qui a évolué un peu plus haut hein, dans le classement par le passé. Ouais, tout à fait. Après, voilà, hein, c'était l'objectif de la saison, se maintenir en D1 Arkema pour la saison prochaine. C'était les objectifs. Et puis, qui sont sur le point d'être... d'être accompli, d'être fait, et ils ont su gagner des points au bon moment sur les matchs importants, donc c'est le plus important là-dessus. Après voilà, pour l'instant on est sur un 0-0 au bout d'un quart d'heure, qui sait, peut-être aller chercher un point aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain, ça serait une très belle opération pour les Rouges. Ah, clairement le Paris Saint-Germain comme l'Olympique Lyonnais qui ont l'habitude d'enchaîner les succès en championnat de France. C'est simple, hein. Lyon qui est en tête du championnat, 19 journées, 55 points pris. C'est colossal, hein, sur 58 possibles, sur 57 possibles. Hein.
Ouais, complètement, on voit les grosses armadas du championnat, hein, même si depuis cette saison, voilà, le Paris FC qui se structure de mieux en mieux et qui peut rivaliser avec les grandes équipes, hein, on le voit, hein, la finale de la Coupe de France qui opposera le Paris Saint-Germain au Paris FC, donc ça devient de plus en plus intéressant aussi, hein, on n'est pas que sur ces deux grosses équipes, PSG et l'OL, même si c'est le cas, mais aujourd'hui, voilà, oui. on arrive à voir aussi de plus en plus de surprises par moment en D1 Arkema et c'est bon signe aussi pour l'avenir. Voilà, une densité effectivement qui progresse. Et pour le PSG, hein, elles ont perdu des points plutôt en début de saison, hein, parce que depuis quelques mois, elles ne lâchent plus grand-chose désormais sur la scène nationale. Tout à fait, c'est là que les grandes échéances arrivent, pour les grandes équipes aussi, c'est là qu'on doit être en forme pour jouer des titres, jouer des finales. On le rappelle, un Paris qui n'a plus connu la défaite depuis le 23 novembre. C'était sur un match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Gaetano. Avec Samoura qui joue long, un petit peu trop long en direction de Le Guilly. Ouais, pour l'instant, Guingamp qui est en place, hein, puisqu'on cherche à renverser le jeu côté parisienne. Mais pour ça, il faut être juste techniquement, juste en pied. Et c'est jamais évident aussi de le réaliser avec une pression en face. Donc pour l'instant, l'opération se passe bien. Au bout d'un quart d'heure, il va falloir être capable de renouveler ça sur le prochain quart d'heure. Même si on pourrait être encore meilleur dans l'utilisation du ballon et sur les transitions. Après, voilà, c'est aussi une consigne, hein, de ne pas non plus se délivrer comme ça la récupération et de pouvoir se prendre un compte. Coup de sifflet, ouais. Avec Aissata, ouais. Qui est au sol. Aissata Traoré. Alors Guingamp qui a fait le travail, hein, cette année sur les deux équipes relégables, hein, puisque les Bretonnes ont battu Lille deux fois, ont battu également Bordeaux. Et puis un beau succès de prestige. Vous parliez de Fleury tout à l'heure, hein. Guingamp a dominé Fleury sur la pelouse de l'Académie, le centre d'entraînement. Ouais, non, complètement. Elles ont su répondre présentes sur les matchs très importants. Donc voilà, ça serait une belle récompense de pouvoir officialiser le maintien à la fin de ce match. Maintenant, encore une fois, on a le droit de rêver aussi et d'aller chercher au moins un point aujourd'hui sur ce beau terrain. Et voilà, encore une fois, un ballon perdu, hein, de la part des Parisiennes là-dessus. Ça cherche à jouer dans le dos. On ne se trouve pas dans les petits espaces, dans les carrés, là, entre les deux lignes guingampaises. Deux lignes de 4. Alors là, c'est l'objectif aussi de ne pas relancer vite, hein, de casser le rythme côté Guingamp. La touche de l'autre côté avec Tara Elimbi qui joue vite en direction de Karchaoui, du rythme avec Samoura, avec la jeune Anaïs Ebaïline. Le Guilly sur le côté droit. On a une défense relativement jeune, hein, côté parisienne. Cet après-midi, la jeunesse, le talent, l'avenir également de cette équipe. Ah ouais, c'est dans ces matchs-là aussi qu'on peut faire confiance aux plus jeunes. Hein. On le voit même chez les garçons, hein, le Paris Saint-Germain contre Clermont la semaine dernière qui avait fait rentrer deux très jeunes du centre. Donc voilà, c'est le cas aussi chez les filles. C'est sur ces matchs-là qu'elles doivent faire la différence et qu'elles peuvent aussi se montrer. Avec une remise en jeu de la part de Marine Perea. Être capable de sortir de ce couloir de jeu, c'est dommage, c'est rendu rapidement à Paris. Le ballon rendu directement par Jocelyn Prêcheur, le coach, pour sa joueuse latérale droite, Jade Le Guilly, qui trouve dans la profondeur l'une de ses partenaires. Avec Chawinga tout à l'heure, le ballon restera parisien. Et pas d'occasion pour l'instant dans cette rencontre, 19 minutes de jeu. La possession est parisienne, certes, mais ça n'a pas débouché sur... Une véritable occasion à Aissata Traoré qui a essayé de dribbler, hein, c'est sa spécialité. Ah ouais, et puis sa qualité de vitesse aussi, hein, ouais. Qui peut être mise en évidence sur les contres. Attention à ce ballon, ok, bien négocié par Rémi. Ouais, l'idée était intéressante, l'exécution un peu moins.
Ballon très vite, trop vite récupéré par le Paris Saint-Germain. On cherche un Chawinga sur le front de l'attaque. Et pour l'instant, pas de soucis pour Marie Morgan Seaberg. 20 minutes de jeu, le cap des 20 minutes. Et Guingamp qui pour l'instant tient tête sous le soleil breton. Il faut s'entourer. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à garder ce ballon là, Alison. C'est des ballons importants. Ouais, la possession qui tourne très très en faveur, de plus en plus en faveur des Parisiennes avec Corbin Albert qui décale sur le côté droit, Le Guy qui rentre à l'intérieur, le centre directement sur Starova, pas pour longtemps avec Albert. Ouais, les Guingampes qui sont bien en place, qui défendent en avançant là-dessus. Ouais, peu de solutions hein, pour l'instant, c'est vrai, dans les 25 derniers mètres. Ouais, ça vient très bien se refermer ici, à l'image de Nina qui récupère un ballon. Et il s'attaque, il peut se projeter, mais maintenant, voilà, c'est ces ballons-là qui sont importants. Ok, elle obtient la faute, ça va permettre au bloc de pouvoir monter un peu plus haut. Voilà, c'est une des premières phases de jeu positives pour Guingamp, dans le sens où elles ont pu récupérer ce ballon et se projeter pour la première fois sans le perdre. Exactement, et c'est une faute intelligente de la part des Parisiennes juste derrière pour casser cette contre-attaque. Et voilà, Marine qui va pouvoir patienter, attendre qu'on soit en place et pouvoir enchaîner sur une phase de possession. Starova. Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à contrer par Baltimore. Le ballon maintenant dans les pieds de Karchaoui avec Tiniba Samoura. Gaetino. Avec la très jeune joueuse qui tient le ballon dans ses pieds actuellement. Et Bailine, elle a 16 ans. Ouais, c'est ça, elle avait joué contre nous au match aller en U19. Voilà, donc c'est des très beaux espoirs du centre de formation. Ouais, 16 ans et c'est sa deuxième titularisation. Oui, sûrement. Donc ça va être à elle de confirmer, de montrer aussi qu'elle mérite sa place, tout simplement. Allez, Cyber pour dégager son camp. Ah, elle a envie tout de suite de Marie-Antoinette Katoto de vouloir récupérer le ballon très très haut et d'embêter cette gardienne-là. Ouais, Paris qui a décidé évidemment de ne pas laisser souffler Guingamp à chacune de ses relances. Pour voilà, c'est leur principe de jeu, ce contre-pressing à la perte de balle pour tout de suite récupérer ce ballon. Ah, exactement, et puis de mettre du rythme. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir... Étouffer l'adversaire. Ouais, c'est ça, et faire des différences là-dessus. Voilà, c'est dans ces petits espaces-là que Paris doit être encore meilleur. On a le souvenir que Paris était venu se déplacer en Bretagne, en Coupe de France. On y reviendra dans un instant. Aissata Traoré, dans ses œuvres, la première incursion dans la surface de réparation. Et le bon retour également de Samoura. Ouais, on le disait avant, c'est ces phases de transition-là qui vont être super importantes pour Guingamp. À l'image d'Aissata qui a décidé de réaliser un centre pour, il me semble, à Lisson. Attention à ce ballon profondeur, il est trop long. Qui vont être importantes à gérer, Sarah Cambo qui encourage. Et donc je le disais tout à l'heure, Paris qui s'est déplacé en Ille-et-Vilaine pour y affronter le CPB Bréquigny. C'était en janvier dernier en Coupe de France, Bréquigny. Équipe amateur qui avait résisté plus de 30 minutes, 30 ou 35 minutes de mémoire. Ouais, c'est ça. Après, c'est être capable juste avant la mi-temps de rester discipliné, de garder cette rigueur défensive, de ne pas se jeter, de garder vraiment ce bloc compact ici. Et ça demande énormément de communication, de concentration. Et la petite pause fraîcheur, Mathis. Eh bien, dis donc, les premières pauses fraîcheurs de la saison. Voilà, après 23 minutes de jeu, c'était... Il fait 23 degrés. Ça avait été discuté avec les deux équipes de faire une pause en plein milieu de chaque période. Alors 23 degrés, oui, mais je pense qu'au soleil sur la pelouse, ça doit monter encore un petit peu au-delà. Oh ouais, en plus, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Les premières chaleurs qui font toujours mal aux organismes. Pas d'occasion pour l'instant à proprement parler, d'un côté comme de l'autre. Non, c'est le scénario parfait souhaité de la part de Guingamp. Être capable de sortir déjà au bout du premier quart d'heure sur un 0-0, c'est chose faite. Capable de maintenir cela jusqu'à la mi-temps maintenant. Et puis,
exploiter ces phases de transition, la récupération, rentrer dans la surface peut-être, essayer d'obtenir un pénalty très rapidement. C'est des choses comme ça sur lesquelles Guingamp va devoir compter. Voilà, et puis bah, ça va être entamé après à la reprise de la pause fraîcheur là, avec Mathieu qui est en train de briefer, ses joueuses. Je pense que le discours ici, c'est de garder son calme, de continuer, d'être discipliné, de maintenir le doute un petit peu dans la tête de Paris, même si on n'est qu'à la 25e minute. Hein, attention, ça peut aller très très vite aussi. Mais pour l'instant, c'est mission accomplie. Donc il faut poursuivre ces efforts-là. Ouais, puis l'autre scénario rêvé, imaginé par les Guingampais, c'est sur la pelouse de Montpellier. Mais pour l'instant, toujours 0-0 également entre Montpellier et Lille. Et le jeu va reprendre ses droits. Alors ça peut être aussi d'un côté assez piégeux de s'arrêter en plein milieu de cette première période. Il faut tout de suite repartir hein, mentalement, se reconcentrer, parce que d'une manière ou d'une autre, inévitablement, on sort un tout petit peu du match hein, ouais. À ce moment-là. Ouais, tout à fait. On parlait du futsal tout à l'heure hein, et c'est une discipline dans laquelle on peut prendre des temps morts. Et généralement, bah voilà, on les prend sur un choix tactique bah voilà, pour casser le rythme ou pour remobiliser les troupes un petit peu. Et là, c'est obligatoire. Donc on va voir, est-ce que ça va desservir aux Parisiennes ou plutôt l'inverse. En tout cas, essayer de maintenir là sur ces 20 prochaines minutes la même rigueur défensive. Et un ballon joué long devant hein, de la part de Manon pour pouvoir aérer, pour pouvoir se restructurer, reformer les lignes. Hein. On voit que voilà, c'est des lignes très très, très très proches entre les joueuses. Des intervalles hein, à peu près 10-12 mètres. Donc, y a une tentative de pressing ici de la part de Guingamp. Attention à ça, oui. C'est bien replacé, très bien. Ah, le pressing, effectivement, ça peut aussi libérer des espaces hein, aux Parisiennes ouais. Si elles parviennent à passer ce premier rideau. Ça va être vigilant, hein. Ça se déclenche pas comme ça au hasard, il y a un starter hein, qui est mis en place. C'était peut-être aussi une volonté hein, de la part de Mathieu, juste au retour de ce temps mort là, mettre un ballon haut pour tout de suite après essayer de récupérer très haut le ballon et surprendre les Parisiennes, chose qui a failli fonctionner là-dessus. 27 minutes de jeu ici à Roudourou. Alison qui garde un bon ballon mais qui n'arrive pas à rejouer face. Avec de la réussite, ça repart de derrière avec Manon. Et Mijezekel qui dégage loin devant. Ouais. C'est une volonté. On voit qu'il n'y a pas cette volonté de repartir avec sa gardienne. C'est tout de suite aller chercher et jouer le second ballon. Et Traoré qui perce dans l'axe cette fois-ci pour trouver sur le côté droit. C'est Alison Penigel hein, qui était venue réclamer ce ballon. Alors à noter également que l'équipe masculine hein, de Guingamp est en déplacement, vous l'avez compris, aujourd'hui dans le Nord, à Dunkerque pour la 32e journée de Ligue 2. Guingamp qui est en milieu de tableau et qui est 8e, qui remonte, qui peut encore croire également, pourquoi pas, au barrage en fin de saison. Oui, on y croit, hein, on y croit. Ils sont à 3 points du top 5, c'est à partir de la 5e place où il y aura les premières qualifications pour les barrages. Exactement. C'est bien suivi de la part de Emmy derrière. On voit que ça essaie de combiner un peu plus la côté parisien, de mettre un peu plus de rapidité, de fluidité, de rigueur technique aussi. Ça va être la clé hein, pour les Parisiennes de toute façon. Soit profiter d'une erreur, soit accélérer le jeu. Et pour ça, bah, voilà, c'est être capable d'avoir de la justesse, de se trouver, de bien se déplacer au bon moment, dans les bons espaces. Attention, Jezekel qui perd le ballon, elle s'arrache. Karchaoui maintenant, hein, qui s'est trompé, là, qui a joué directement sur Traoré. Ouais, bon contrôle de Traoré qui emmène le ballon dans son dos. Il y a Marine, tu l'as vu ? Eh oui, il y a Marine Perria, mais ensuite la porte s'est fermée. Et attention, attention au contre maintenant. Avec ce côté gauche, Guingampais déserté, mais Paris est parti s'enfoncer dans le centre avec l'appel en profondeur de Chawinga. Oh, Chawinga, première occasion et le premier but. Oh, cette petite séquence de flottement dans la défense avec la gardienne qui a voulu sortir et qui s'est résolue à ne pas le faire parce que ça va tellement vite du côté de Tabitha Chawinga. La première occasion est la bonne pour la meilleure buteuse du championnat. 1-0 pour Paris.
Ouais, elle a pas tremblé. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, Damien, juste avant, ça sera à revoir. Je pense que Marie Morgan en discutera avec Pierre-Henri, l'entraîneur des gardiens. Mais elle hésite à sortir. Et pour moi, si elle y croit jusqu'au bout, c'est un ballon qu'elle peut avoir sorti dans les pieds là-dessus. On va revoir ça, justement, hein, le ralenti de ce but. On la voit, hein, faire ses premiers pas. Faut qu'elle y aille. Eh oui, elle hésite et l'hésitation est de trop à ce moment-là. Shawinga qui, malgré un espace vraiment réduit, a réussi à trouver ce petit espace justement pour conduire le ballon au fond des filets. Et le Paris Saint-Germain qui a maintenant fait le plus dur, ai-je envie de dire. Hein. Ouais, complètement. Et on le disait hein, justement, sorti de ce temps mort-là, à quelle équipe ça va desservir. Et j'ai envie de dire qu'avec un peu de réussite aussi, ça aura servi aux Parisiennes et qui n'ont pas tremblé aussi face au but là-dessus. Ouais, c'est la première vraie occasion hein, dans ce match. La première frappe au but. Et elle est cadrée. 18e but cette saison pour Tabitha Tshawinga. Qui est la sensation de cette saison hein. Que le public international apprend à découvrir ici et là. Tshawinga qui vient du Malawi, qui avait joué en Chine par le passé, qui a beaucoup marqué également sous les couleurs de l'Inter de Milan. La saison dernière, elle enchaîne, hein, elle marque à tous les matchs, hein, Tshawinga. Allez, Traoré sur le côté gauche pour la révolte bretonne. Parce que les Guingampaises n'ont pas dit leur dernier mot. Traoré qui a des jambes, qui va très très vite, qui a passé son vis-à-vis. Oh, le pénalty ! Pénalty pour Guingamp. On en parlait tout à l'heure. Et le public évidemment qui réagit. 31 minutes de jeu. La réaction et le talent individuel hein, de Aissata Traoré, on le sait. Il y a quelque chose parfois de frustrant en elle quand on la voit jouer, mais... Quand elle est dans un bon jour, quelle joueuse! Ouais, complètement, et on en parlait tout à l'heure. Hein. Elle a un contre un à jouer, un peu comme au basket. Hein. C'est un contre un. Elle a vu qu'elle avait l'ascendant physiquement par rapport à une très jeune joueuse de 16 ans derrière. Donc elle avait l'ascendant physique. Hein. Je vais vous reproposer ça dans un instant, Mathis, parce que aussi un petit peu l'expérience, elle a su placer son corps devant celui de la jeune défenseuse de 16 ans qui s'est laissée un petit peu embarquer. On va revoir ça. Tout à l'heure, mais on va se concentrer évidemment sur le pénalty et c'est Starova, la préposée au pénalty, elle qui a marqué déjà à 3 reprises me semble-t-il. Exactement. Sur ces dernières semaines. On n'en a pas raté un, pourvu que ça dure aujourd'hui. Anthony Starova, la joueuse tchèque, face à Constance Picot dans les buts parisiens. L'égalisation possible pour en avant Guingamp, 33e minute de jeu, ici à Roudourou. Est-ce que Roudourou va exulter? Oh, Starova, c'est but! Oh, sur cette frappe qui a fait peur un petit peu à tout le monde. Frappe assez écrasée, hein, qui n'était pas très puissante, mais elle avait le mérite d'être très bien placée. Guingamp égalise. Un but partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai qu'elle nous a fait peur sur ce pénalty, à revoir. J'ai l'impression qu'elle le tape un peu mal, mais voilà, il est bien placé, donc ce qui fait que ça force Constance Picot à se détendre, et pour le coup... Ça fait but. Allez, on revoit ça avec Anthony Starova face à Constance Picot. On a le sentiment qu'elle s'est presque manquée un peu techniquement sur le dernier appui. Ouais, c'est l'impression qu'elle donne. Elle tape le ballon un peu du dessus, ce qui fait que ça fait un rebond, 2-3 rebonds là devant la gardienne. Ah, le plus important, c'est qu'il soit dedans. Il était très bien placé. Hein. Ça, c'est ça. On peut le souligner également. Petit filet gauche pour tromper Constance Picot. Et un partout. Et donc voilà, très belle réaction aussi. Et puis bah voilà, à l'image d'Aissata, on le disait tout à l'heure, ça va être des phases à jouer, rentrer dans la surface tout de suite pour essayer d'obtenir des pénaltys, des coups de pied arrêtés. Et puis bon bah voilà, il y avait l'ascendance physique aussi et l'expérience d'Aissata Traoré face à cette jeune parisienne aussi sur les 1 contre 1. Ouais. Ça sera à renouveler. Et bah Iline qui va revoir les images à la mi-temps, ça va être formateur également pour elle, hein. On le rappelle, 16 ans. Seulement, c'est un immense talent. Ouais, mais c'est aussi la découverte pour elle de ce championnat. Allez, Katoto. Katoto qu'on n'a pas beaucoup vu hein. Dans cette première mi-temps. La voilà. Elle déborde sur le côté droit. Elle est très athlétique, mais pour autant, elle n'aura pas réussi à faire le tour de Perea. Hein. Alors, oui, c'est un corner assez généreux, je pense. Ouais, alors, il me semble que Marine la retouche juste avant. En tout cas, c'est un corner qui a été signalé pour le PSG. Allez, attention à être bien concentré hein, dans la défense bretonne.
avec ce ballon écarté au premier poteau par Péniguel. Ouais, pareil, hein, la rigueur défensive aussi, bien marquée. Ses joueuses sur tout ce qui va être coup de pied arrêté. Bien écouter sa gardienne aussi sur la prise en charge, hein, bah, forcément. Alors Starova, qui est la meilleure buteuse guingampaise en 2024. Et oui, notamment avec, il me semble que la majorité de ses buts sont sur les pénaltys de toute façon. Ouais. Et j'allais dire qu'elle avait marqué que sur des pénaltys, mais j'ai un doute là-dessus, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, la majorité de ses buts sont sur pénaltys, ça c'est une certitude. Voilà, c'est son quatrième but en 2024, quatrième but également de la saison. Eh bien joué, maintenant on voit qu'on défend en avançant là-dessus, on embête, c'est récupéré. Tout de suite, par contre, il faut se replacer derrière la perte. On va vérifier la statistique des pénaltys de Starova dans un instant avant la pause. Il reste 10 minutes dans cette première période. Ouais, c'est bien joué de la part de Sarah Cambo qui se bat jusqu'au bout en récupérant un ballon, voilà, qui incite la Parisienne à prendre un carton jaune. Alors Starova a marqué 3 buts sur pénalty. Hein. C'est son premier but à Bordeaux qui n'était pas sur une action arrêtée. Mais hormis cela, effectivement, les 3 buts suivants, y compris celui de ce jour, ont été inscrits sur pénalty. Ouais, voilà, ça montre aussi la fiabilité de cette joueuse, ne pas trembler, hein, dans une. Sur un exercice qui ne s'improvise pas, hein, c'est un vrai geste technique. On a tendance à dire des fois, oui, les pénaltys, c'est de la loterie, mais non, ça se travaille. Et même du côté de la gardienne, il y a des informations qui sont recherchées avec l'entraîneur des gardiens sur la probabilité, le nombre de pénaltys sur les attaquantes, les joueuses en face, tirées du côté droit, du côté gauche, plus en l'air ou quoi. Donc, gauchère, tendance droitière. Donc, Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de poste également pour frapper les pénaltys. Oui. Starova qui a joué toute la phase aller en défense centrale, qui a été montée plus récemment au milieu de terrain. Exactement, et là qui apporte aussi son expérience et son expérience défensive un peu plus haut sur le terrain et qui nous fait du bien, hein, pour récupérer des ballons un peu plus haut. Et ben, mis à part le but qu'on encaisse, il n'y a pas eu tant d'occasions. Ah, c'était la seule. Une occasion de chaque côté maintenant et ça fait un partout. Avec une faute de Manon Revelli. Et peut-être le premier avertissement, oui. Carton jaune qui a été donné, hein, je crois, à Revelli. Hein. Ouais, il me semble, hein, ça là-dessus, ça fait un carton jaune de chaque côté. Ouais, ça sert à rien de discuter, on se replace. Le deuxième, à mon avis, pour contestation, non, peut-être, ou les deux. Ouais, il y a sans doute eu un carton également côté parisien. Ouais, c'est Baltimore qu'on a pris un, il me semble qu'il y en a eu un deuxième là. Allez, le ballon dans les pieds de Ebailine avec Le Guy, ça revient dans les pieds d'Ebailine avec Albert Gaetino Samoura Elimbi, oui, le petit pont de Tara Elimbi qui passe de joueuse. Oh, elle avait tenté le grand pont sur la troisième. C'est bien lu de la part de Emmy juste derrière. Ouais, le très bon tacle. Et le contre peut-être. Oui, il y a une grosse faute. Là, c'est carton également. Ouais, c'est Tina Kershawi. Carton logique, l'avertissement. Voilà ce qu'on appelle peut-être une faute intelligente dans le jargon. Exactement. Parce que là, elle est très loin de son but. Ouais, puis après, il y a un contre un à jouer avec Allison devant. En tout cas, voilà, Sakina qui ne va pas. Kershawi qui ne va pas défendre de la même manière, hein, avec un carton jaune. Donc. Pareil, c'est des faits de jeu qui sont importants à prendre en compte. Et on sent le match s'équilibrer, hein, depuis quelques minutes. Hein. Ouais, c'est ça. On n'a plus cette mainmise parisienne sur la partie, avec Traoré qui va lancer sur le côté gauche Marine Perea, le centre de Perea. Oh, c'était très très près de retrouver une guingampaise à la retombée, mais là on s'est percuté, hein, dans la surface. Mais c'est une superbe sortie de Constance Picot qui. Très très bien lu la trajectoire, qui se sert de ses points là-haut. Et qui a été percuté ici devant. Par Alison Péniguel, je crois. Une superbe sortie sur ce genre de centre-là, jamais évident à négocier. Alors les deux se sont faites très mal. Hein. C'est
voilà, plutôt la Guingampaise hein, qui est à la faute hein, ici sur cette action, qui arrive un tout petit peu en retard sur le ballon et qui percute en plein vol la gardienne parisienne. On espère qu'il y a plus de peur que de mal pour les deux joueuses. On va revoir justement l'action qui a mené le pénalty tout à l'heure, Mathis, pour constater le travail d'Aïssata Traoré, qui est venu se placer devant le corps, hein, ses petits appuis. Ouais, c'est ça, elle le joue très très bien, il y a une charge dans le dos, elle y est. Hein. Après, de là à déséquilibrer, c'est vrai que bah, peut-être qu'on se dit que Aïssata joue bien le coup. Ah, elle joue bien le coup, mais avec la vitesse, voilà, ça peut déséquilibrer aussi. La faute est claire, mais c'est... Non, c'est la manière dont elle a réussi à placer ses appuis exactement, devant la défenseuse, qui lui a permis hein, justement d'obtenir cette faute, et la faute est très claire. Hein. Un pénalty incontestable, qui a mené donc au un but partout. Aïssata qui apporte, hein, qui fait du bien, c'est un retour qui fait du bien, hein, qui apporte son agressivité et puis bah, sa vitesse, hein, c'est sa qualité première par rapport à ça, c'est indéniable. Ouais, la vitesse également de Chawinga, on revoit le premier but parisien. Chawinga qui est venu mystifier Marie-Morgane Cyber. Ouais, c'est un ballon qui passe dans un trou de souris hein, dans l'intervalle. Ah, elle est rapide, elle est précise, elle a beaucoup de qualité, hein, cette attaquante. Qui fait partie des toutes meilleures au monde à son poste. Ouais, complètement. Elle a montré, hein, elle a prouvé qu'elle était capable. Et puis, bah, voilà, encore une fois, hein, ce qu'on demande à une attaquante avant tout, c'est de marquer des buts. Donc, elle s'est pas posé la question. Hein. Sa feuille de statistique est impressionnante. Hein. Elle marque absolument à tous les matchs. La dernière fois qu'elle n'a pas marqué, c'est le 14 février. Elle a joué que 25 minutes. Ok. À chaque fois qu'elle est titulaire, elle marque. Et elle marque un but, deux buts. Sur ces 8 derniers matchs, 9 derniers matchs là, c'est valeur sûre. Donc non, c'est une joueuse qui inquiète les défenses adverses, hein, forcément. Et bah voilà, c'est être capable de la mettre. C'est son 12e but en 10 matchs, en 9 matchs. Ouais. Impressionnant. Hein. Ouais, non, c'est clair. Donc capable de pas la mettre en confiance, mais pour ça, voilà, il va falloir faire beaucoup plus pour pas qu'elle réalise le doublé aujourd'hui, en tout cas. On récupère gentiment dans la surface de réparation après ce gros choc. Ah, c'est toujours impressionnant, hein, forcément, les sorties de gardienne comme ça, télescopage là-bas. Entre Alison Penigel et Constance Picot. Mais ouais, non, très belle sortie de Constance Picot là-dessus, qui a rassuré sa défense. Voilà. Le beau geste également à la fin, on s'est tapé dans la main. C'est fair play, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucune volonté de faire mal. Par rapport à ça, on protège la gardienne aussi, c'est normal, et ça va pouvoir repartir. Et en tout cas, très belle opportunité hein, pour Guingamp qui, on le disait tout à l'heure, va mieux depuis l'égalisation. On va savoir si ça se confirme après cet arrêt de jeu. Il reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Il y aura évidemment du temps additionnel. Oh ouais, là, il va y avoir du temps de rajouter, en plus avec le temps mort, le temps fraîcheur, là, donc... Il va falloir être solide jusqu'au bout et essayer de... 3 bonnes minutes et pourquoi pas, ouais. Avec une nouvelle opportunité, avec Laurie Teinturier sur le côté droit. Un second ballon. Ouais, pourquoi pas Manon. Ouais, la frappe lointaine, elle est cadrée. Elle ne pose pas de problème à la gardienne de but. Alors attention, parce que les Guingampais se sont projetés. Il faut maintenant se replacer. Bien joué de la part de Jezekel qui écarte le danger. On retrouve ce bloc médian là, hein, volonté de ne pas aller les chercher, de laisser jouer cette première passe. Et ça veut jouer dans le dos. C'est oh, attention, ce ballon qui a failli passer. Il fallait le pied in extremis de Manon Revelli. En laissant décomplexer les Guingampais, mais attention justement à ne pas être puni pour se projeter davantage avec ce ballon dans la surface sur le petit numéro. Et cette fois-ci, Marie-Morgane Cyber était la première sur le ballon. Exactement, là, elle n'a pas hésité, c'est ce qu'il fallait faire. Elle a très très bien réalisé. Ok, on reprend un temps, on attend que l'équipe se replace. J'aime beaucoup Tara Elimbi, hein. Beaucoup beaucoup de talent, la latérale gauche, qui est venue s'engouffrer dès qu'elle a la possibilité de le faire. Elle termine son action. Ah ouais, c'est être vigilant par rapport à ça. C'est le Nuno Mendes au féminin. Ouais, un petit peu, c'est clair. La comparaison est là. Allez, valoriser. Voilà, refaire un tour s'il faut avec la gardienne de but.
Attention, ça va venir fort avec Katuto derrière. Et on va connaître la longueur du temps additionnel. Je pense qu'il va y avoir un minimum 5 minutes, hein, 4 minutes, je dirais. Et pareil, cette volonté de, voilà, de pouvoir se servir de ce coup franc là pour faire monter le bloc, jouer les seconds ballons aussi. Et c'est un bon ballon ça de la part de Sarah Traoré. Traoré peut-être là que la frappe d'Aissata Traoré, le bon retour défensif pour venir fermer. Hey, oh là là, les Guingampès qui prennent le dessus petit à petit dans cette fin de première mi-temps. Allez, il y a la possibilité peut-être de leur faire mal avec ce centre directement sur Constance Picot. Oh, ce match est complètement débridé. Et attention, parce que de l'autre côté, ça va évidemment très vite avec Tabitha Chawinga. Oh, pour Marie-Antoinette Katoto, le contrôle un petit peu long de Katoto. Ouais, c'est un super coup à partir de, voilà, du dégagement de la relance de Constance Picot. Super déviation de Katoto. Et puis derrière, il lui manque un petit pas pour s'ajuster et tenter de cadrer. Ah, le match a complètement changé hein, depuis 10 minutes maintenant. Ça va d'un camp à l'autre, très intéressant à suivre. Et on sent hein, les deux équipes qui sont à la limite tout de même de la rupture hein, sur le plan défensif. Ouais, là, il ne faut pas qu'elles se retournent. Avec ça, Sakina Karchaoui qui avait décalé sur le côté gauche à Limbi. Le centre est repoussé. Ouais, Nina Richard qui récupère ce ballon. Ouais, faute. Hein. Ça joue, dit madame ouais, l'arbitre. Et une main vient d'être sifflée. J'ai pas vu le temps additionnel qui a été affiché. Il a été annoncé, mais on ne l'a pas entendu. Hein. C'était 5 ouais. minutes. Merci beaucoup. 5 minutes de temps additionnel. C'était pendant l'action de. Ouais, la relance. Traoré tout à l'heure. Allez, Mayouen Renard pour le gelon. C'est dommage, il n'y a personne. À la retombée. Gaetino qui joue très long également. Marie Morgan joue avec la gardienne. Ah, elles vont très très vite, les deux attaquantes avec Chawinga face à Jezekel. Chawinga, la frappe de Katoto, elle a été repoussée. Et l'action voilà, se termine momentanément avec de l'espace, beaucoup, beaucoup d'espace. Et les jambes là-bas de Laurie Teinturier pour transmettre à Alison Penigel. Ah, il y a de la vie hein, sur la pelouse de Roudourou. Ouais. Et puis là, ça serait bête pour les Guingampès d'encaisser un but maintenant. On sent, un match solide, donc on sent quand même, Mathis, un vrai différentiel de vitesse forcément entre la défense guingampaise et les attaquantes parisiennes. Allez, d'un camp à l'autre maintenant. C'est dommage, c'est dommage. Elles étaient 5 guingampaises aux abords de la surface maintenant de réparation. Eh oui, il faut revenir, Mayouen Renard. Oui, le bon jaillissement de la défenseuse bretonne. Bien joué. Cambo avec Richard. Cambo à nouveau. La capitaine pour Aissata Traoré. Elles sont complètement décomplexées. Hein. Oh ouais, complètement. Là. Depuis ce retour là, de pause fraîcheur, ça a débridé tout le monde. Ouais, depuis le but, depuis le pénalty, parce que c'est la première fois que Traoré a fait des différences. Et on a pris conscience qu'on pouvait déstabiliser la défense parisienne côté Guingampais. C'est ça, qu'il y a des coups à jouer. Ça a monté la confiance de tout le monde, hein, c'est normal. Donc voilà, Sarah, Aissata qui. Tout le monde se tient les joues. Super, ouais, là. Les dernières minutes ont été très très physiques. Ouais, attention sur les transitions, on voit que les Parisiennes sont très dangereuses, comme tu l'as dit Damien, c'est des joueuses qui sont très puissantes devant, donc être capable de prendre un peu de recul lorsque le porteur adverse n'est pas cadré. C'est dur à gérer hein, pour Mayouen Renard et Emi Jezekel, mais c'est plutôt bien géré depuis le début de ce match. Wow. Allez, Katoto, et Katoto. Face à Revelli qui va assez vite également. Hein. Et il le fallait. Encore une fois, un jeu en déviation qui est vraiment très très bon, si c'est pas Katoto. Chawinga maintenant. C'est Chawinga. Avec Samoura. Ouais, elle a essayé d'éviter le corner, mais le ballon a franchi la ligne, Laurie Teinturier. Alors, on est probablement dans les tout derniers instants de cette première période.
Et les encouragements qui grandissent dans les tribunes. Un partout entre Guingamp et le PSG. Et oui, là, il va falloir être solide. Ah, ce serait trop dommage, évidemment, d'encaisser pour les Bretonnes juste avant la pause. Et c'est temps de temps. Marie-Morgan Sieber. Ouais, très bonne sortie qui vient rassurer tout le monde juste avant la mi-temps, qui a l'air de se plaindre aussi, qui a pris un coup. Ah, il y a le sens du sacrifice hein, cet après-midi dans les deux surfaces. Ouais, c'est important, hein, c'est une des qualités premières du gardien de but de toute façon. Que ce soit sur les 1 contre 1, sur ces sorties aériennes là, il ne faut pas avoir peur d'aller au duel, d'aller au contact. Et ce genre de sortie là, bah, ça fait du bien, ça rassure tout le monde, surtout les défenseurs là-dessus. On sait que notre gardien est là derrière nous. Et ça va pouvoir permettre de se relancer. Est-ce qu'on en restera là ? Oui, le coup de sifflet pour mettre fin à cette première période très intéressante. Guingamp et le Paris Saint-Germain sont dos à dos à la pause. Un but partout entre les deux équipes. Guingamp PSG, une première mi-temps fort intéressante, Mathis, notamment son dénouement. Oui, complètement. Hein. 20 premières minutes, pour le coup assez fermées, avec un peu de déchets techniques là par les Parisiennes, et puis Guingamp qui était très très rigoureuse derrière et qui était disciplinée, qui leur a permis de récupérer des ballons et d'exploiter pas au maximum les transitions. Et puis après cette pause fraîcheur, hein, on a vu que ça s'est enchaîné très très vite avec cette ouverture du score parisienne, et puis pour la réduction du score de Starova sur pénalty avec une transition très très bien exploitée de la part d'Aïssata Traoré. On revoit justement le premier but dans un premier temps, le but parisien avec Tabitha Chawinga qui vient inscrire ici son 18e but personnel en D1 Arkema cette saison. Remarquable la percée de l'international du Paris Saint-Germain, Chawinga, donc la meilleure buteuse, qui ajoute une unité à son compteur personnel. 2 minutes. On va être, voilà, en espérant voir de la solidité défensive encore une fois, et puis pourquoi pas un scénario encore positif, et en espérant marquer. Et oui, c'est du football, tout est possible, et l'ont montré hein, dans cette fin de première période, les Guingampès qui se sont montrés vraiment dangereuses hein, devant le but de Constance Picot, avec Aïssata Traoré notamment, qui a provoqué ce pénalty égalisateur. On va vous proposer les images des deux buts rapidement, à commencer par le but parisien, si vous nous rejoignez sur FFF TV. Tabitha Chawinga, la meilleure buteuse du championnat, qui est venue inscrire son 18e but personnel lancé dans la profondeur. Un petit moment de flottement dans la défense bretonne et ça se paie cash sur la seule occasion pratiquement parisienne dans cette première période. Paris a eu la possession, mais Paris ne s'est pas toujours montré dangereux devant le but. Et Paris a été sanctionné sur l'une des incursions guingampaises dans la surface adverse. Aïssata Traoré accroché par Anaïs et Bailine. Pénalty pour Guingamp. 2 minutes seulement après l'ouverture du score parisienne. Un pénalty marqué par Anthony Starova avec sang-froid qui est venu tromper Constance Picot. Un partout à la pause. 4e but hein, pour Starova, la Tchèque. Et dont 3 sur pénalty. Et dont 3 sur pénalty. Et les 4 en 2024. Une année qui lui réussit très très bien. On est de retour aux côtés des deux formations. Guingamp qui a son maintien en D1 Arkema qui est en jeu au bout de leurs pieds, au bout de cette 20e et antépénultième journée de championnat. Et par la même occasion, eh bien, Lille est menée sur la pelouse de Montpellier. 1-0 pour les Montpellier-Rennes. Un but signé Marion Torrent à la 48e minute de jeu, 45 plus 3 dans le temps additionnel de la première période. C'est reparti, Guingamp-PSG. L'affiche cet après-midi sous le soleil, sous les 25 degrés des Côtes d'Armor. Exactement, tandis que Dijon fait 1-1 contre le Havre par rapport à ça. Et on est reparti sur le même dispositif, hein, côté Guingampais et côté parisien sur un 3-5-2 avec ses pistons très larges. Dijon-Le Havre, c'est la troisième rencontre du jour qui a débuté tout à l'heure à 14h30, 30 minutes après les deux matchs précédents, avec le premier déboulé de Sakina Karchaoui. Le centre au troisième poteau hein, qui ne trouvera pas de coéquipière si ce n'est le retour de Traoré.
à ses premières minutes. Hein. Toujours importante face à une telle équipe, Matisse. Tout de suite bien rentré dans ce match, dans cette deuxième période. Ouais, c'est primordial, hein. Sachant qu'à mon avis, les Parisiennes ont dû, je vais pas dire se prendre un savon, mais à mon avis, voilà, il y a eu un discours assez sec du coach pour pouvoir rentrer tout de suite dans cette deuxième mi-temps. Et pourquoi pas là, avec Alison Penigel qui a pris une petite main au visage. Qui n'a pas été signalé, ça joue avec le ballon. Dans les pieds de la numéro 14 parisienne qui vient de rentrer en jeu, hein, Jackie Gronen. Le changement dans l'entrejeu. Ouais, on voit, hein, voilà, c'est. Ah, il y a eu plusieurs changements. Hein. Ouais, c'est normal. Hein, voilà, je pense que là, Paris va devoir passer à la vitesse supérieure en essayant d'inquiéter beaucoup plus la défense guingampaise. En tout cas, l'attaque n'a pas changé. Alors, plusieurs changements, puisque Sakina Karchaoui est passée à piston gauche, notamment. On a la sortie donc, de Tara Elimbi, la sortie également de la jeune Anaïs Ebailine, qui est sortie également. Hein, les deux plus jeunes joueuses, 16 et 18 ans. Et Marie-Morgane Sieber, qui s'empare du ballon ici. Exactement. Là, on voit que voilà, les Parisiennes volent tout de suite. Prendre l'ascendant, chercher très haut l'équipe adverse. À l'image ici de Sakina qui récupère le ballon, Karchaoui, qui va obtenir la faute. Et l'égalisation du LOSC face à Montpellier en direct. Qui remet tout le monde à la position de départ au coup d'envoi de ce match. Voilà, Jade Le Guilly qui est venue se réaxer dans cette défense à 3. Qui joue dans le trio défensif. Karchaoui s'est replacé à gauche. Et puis on a une joueuse qui est rentrée de l'autre côté de la pelouse, hein, à piston droit. Est-ce que c'est Amalie Vansgaard? En tout cas, voilà, hein, beaucoup plus d'expérience à porter. On le voit ici. Attention au possible centre. Ouais, le ballon dans les pieds de Shawinga. Ça joue toujours, ouais, c'est Vansgaard, hein, qui est rentré effectivement avec la frappe qui passe au-dessus. Hein, Katoto, le geste technique pour effectuer cette reprise de volée. Ouais, on voit une facilité à monter la jambe. Hein. Je pense que si elle avait levé pied gauche, vraiment qu'elle se serait couchée encore plus sur ce ballon. Elle aurait pu peut-être être cadrée, mais on voit, hein, dès que les ballons, elle a une capacité à tirer ces ballons-là, à peser sur la défense adverse. Donc il va falloir être très très vigilante par rapport à ça. Alors effectivement, deux changements à la pause. Hein. Vansgaard qui est aligné donc sur le côté droit de cette équipe et Jackie Gronen devant la défense au milieu de terrain. Donc de l'expérience, hein, pour prendre la place de deux joueuses de 16 et 18 ans. C'est une équipe renforcée en deuxième mi-temps à Amalie Vansgaard, l'internationale danoise. Allez, on joue côté Guingampais. Le discours est clair, hein, du coach parisien. Ouais, la tentée de loin, Sarah Cambeau, hein, la facétieuse capitaine de cette équipe. Ah ouais, essayer de surprendre l'adversaire, hein, on l'a dit, hein, à travers des contres. Des possibles coups de pied arrêtés aussi, qui vont être une force supplémentaire. Et là, cette récupération haute, frappe enchaînée d'Alison qui réclame le corner. Elle l'obtiendra. Elle l'obtient effectivement. Alors, la néerlandaise, hein, Jackie Gronen qui est rentrée, 29 ans. Et Amalie Vansgaard, 27 ans, la danoise. Donc effectivement, là, on a renforcé en termes de vécu, en termes de qualité aussi, hein, parce que là, on parle de joueuses internationales. Hein, Gronen a joué pour Manchester United. Vansgaard est parisienne pour la deuxième saison consécutive. Mais c'est bien Guingamp qui attaque dans ce début de deuxième mi-temps. 50 minutes de jeu et le corner pour Sarah Cambeau. Ouais, Sarah qui tentera de mettre un bon ballon pour essayer d'inquiéter la défense parisienne. Ce serait fou, hein, pour le scénario que de voir les Bretonnes prendre l'avantage dans ce début de seconde période avec le ballon coupé premier poteau pour Aissata Traoré qui s'est fait mal, hein, mais qui s'est battu quand même pour obtenir ce ballon. Ballon perdu ensuite par Cambeau. C'est ok, Aissata qui se relève.
Récupération Renard avec Starova peut-être. Et le contre parisien. Ça va aller vite. Avec Vansgaard. C'est mal joué. Mal joué de la part de la Danoise. Mal exploité pour le coup. Mais voilà. Donc c'est récupération. Vansgaard qui est une attaquante. Hein, qui joue. Piston droit. Ouais, piston droit. Voilà. Qui aura surtout des missions offensives. Forcément, il faut faire le travail def aussi, mais elle le fait là, à l'image ici, sur l'écran. C'est-à-dire si c'est une composition très, très offensive hein, en deuxième période pour Paris. Paris qui revient à la compétition, hein, 2 semaines de coupure. Alors pas de coupure de football, hein, à proprement parler, mais 2 semaines sans match. Il faut retrouver ce rythme, les petits réglages, avant cette dernière ligne droite hein, qui va emmener les Parisiennes vers le dernier carré de la Ligue des Champions. Cette double confrontation contre l'Olympique Lyonnais. Il y aura la finale de Coupe de France fin mai. Il y aura le grand final également de ce championnat de France des Une Arkema. Attention sur ce ballon qui a été mal négocié. La gardienne qui avait le temps hein, de sortir là-dessus. Ah ouais, mais c'est vrai que voilà, ballon dans l'espace aérien vers l'arrière pousse le soleil, ça n'a pas aidé. Et Marie Morgan qui a préféré se replacer tout de suite. Gronen avec Le Guy. Paris qui s'installe hein, dans le camp et Chawinga qui protège bien son ballon. Qui donne à Baltimore. Ouais, le geste technique de Baltimore qui est passé devant Manon Revelli. Et heureusement tout de suite l'intervention de Nina Richard pour couper l'action. Elle était passée, hein, donc être vigilant par rapport à ça. Est-ce que le corner va être joué à deux? Non, il sera tapé direct. Kachaoui. Et il sera frappé effectivement par le capitaine de cette équipe. Sakina Karchaoui s'est tendu. Premier poteau avec la tête de Renard. Karchaoui, deuxième chance cette fois-ci du pied droit. Et ça tient bon dans la défense guingampaise. Avec une arbitre qui laisse beaucoup jouer et c'est aussi bien pour le spectacle. Très peu d'arrêts de jeu. Attention à l'opposé là-bas. Katoto, dos au jeu, dos au but. Avec Baltimore, le centre du pied gauche de Sandy Baltimore s'est à nouveau repoussé. Et là il y a un contre peut-être, oui, de l'espace avec Sarah Cambo qui s'est tout de suite projetée, hein, qui a observé. Elle choisit d'attendre le renfort de Richard. Cambo à nouveau. Ouais, difficile à contrôler ce ballon. Ça fait très mal, Sarah Cambo là sur cette action. Ouais. Avec Samoura. Ouais, au final, Guingamp qui obtiendra un coup franc dans le camp adverse. Est-ce qu'il va aller jouer court? Est-ce qu'il va être plutôt frappé direct? C'est une possibilité aussi pour jouer le second ballon et tenter de le récupérer proche des buts. Émi Jezekel pour jouer long. Ouais, et puis on voit Mayouen, hein, qui s'est tout de suite Mayouen Renard qui s'est projeté. Et c'est elle peut-être qu'on va essayer de trouver. Sarah va mettre un bon ballon là-haut. Deux temps, voilà Sarah Cambo en direction de Mayouen Renard. À la tête de Renard, Aïssata Traoré sur les petits appuis. Oui, avec la frappe, oh, ça passe au-dessus, quelle occasion. Quelle occasion pour Guingamp, et c'était je crois Laurie Teinturier. Exactement, elle n'était pas sur son bon pied. Ah, c'est dommage. Il n'y en aura peut-être pas 50, on va revoir ça tout à l'heure, mais en tout cas, Guingamp qui fait plaisir à son public cet après-midi. Ouais, un très bon travail d'Aïssata qui partait au départ d'une déviation de la tête de Mayouen Renard. Et Laurie Teinturier qui se retrouve dans une situation de casse de but, hein, très très franche. Ah, elle était à 8 mètres des cages de Constance Picot. Ouais, au point de pénalty, ouais, 11 mètres, c'est ça. 11 mètres. Le public qui a trouvé un petit peu d'ombre. On a ouvert la tribune derrière le but de Marie-Morgane Sibert pour permettre au public de ne pas rester exposé plein soleil. Parce qu'il fait très chaud effectivement dans les travées de Roudourou cet après-midi. Nous on est plutôt bien. Ouais, même si au-dessus du toit, en dessous du toit là, on sent que un petit peu de chaleur quand même. Hein. Ah, les bien grands-pères. On n'a pas l'habitude ici. Il en faut peu, hein, il en faut peu. Attention à jeu de corps de Chawinga. Ouais, Chawinga, ça a été contré par Jezekel. C'est pas terminé avec Baltimore.
Non, c'était Chawinga encore à nouveau là. Ouais, la deuxième tentative aussi. Ça passe au-dessus, ça se répond d'un camp à l'autre. On revoit les images tout à l'heure de la frappe de Laurie Teinturier avec Aissata Traoré qui s'est battu hein, pour permettre à Teinturier d'avoir ce ballon et malheureusement le cadre qui se dérobe. Ouais, le pied hein, qui passe un petit peu trop sous le ballon au moment ouais, de la frappe. Ça. Même si c'est pas son pied fort, voilà, ça doit pas être une excuse hein, forcément. C'est dommage, il y en aura d'autres. Il est indécis ce match, hein. Il est beaucoup plus indécis qu'il ne l'était durant la première demi-heure quand il y avait 0-0 à l'époque. C'était le PSG hein, qui dominait assez copieusement dans la possession. Il est beaucoup plus indécis maintenant avec Samoura qui trouve maintenant Katoto. Et Cambo qui est revenu défendre. Voilà, ce sera pour la gardienne de but, Marie-Morgane Sieber. Elles sont en mission, les joueuses de Guingamp. Ah ouais, on le voit, hein, l'image de Marie Morgan qui prend le temps sur cette relance-là, qui va attendre que l'attaquante vienne récupérer le ballon. Alors attention aussi hein, à ne pas jouer trop vite la montre. On n'est qu'à la 57e minute. Il y a encore du temps. Et attention parce qu'à Montpellier, un but partout, vous le disiez tout à l'heure, et Montpellier va finir à 10. Hein. Et même à 9 à l'instant. Deux cartons rouges pour Montpellier. Et il reste une demi-heure. Ouais, Lille qui pourrait peut-être... réussir la grosse opération. C'est pour ça que voilà, un match nul aujourd'hui officialiserait le maintien et éviterait d'être et Lille qui n'a sous pression sur les prochains matchs. Il n'a plus gagné en championnat depuis le 7 octobre dernier. Fleury. Exactement. Alors rendez-vous compte, 6 mois plus tard, un petit peu plus de 6 mois plus tard. Ouais, après le LOSC qui joue son maintien, qui joue sa survie, donc forcément. Toutes les armes sont dans la bataille ici, donc ils sont aussi en mission hein, à Montpellier pour essayer d'aller chercher ce maintien de leur côté. Ça se comprend, c'est normal. Dans l'espace de 5 minutes, hein, elle se retrouve à 11 contre 9. Et Paris peut-être pour aller chercher le deuxième but. Et oui, à chaque erreur se pécache. Quel dommage pour en avant Guingamp. Et le bonheur de Marie-Antoinette Katoto qui permet à Paris de reprendre l'avantage. 2-1. L'internationale française qui crucifie Marie-Morgane Sieber. La moindre erreur, elle se pécache face à ce genre d'équipe-là. On le voit tout de suite. Hein, elle n'a pas le départ de l'action, hein, malheureusement. Mais ça oui. Part d'un ballon long. Alors, de quel jeu je saurais le dire. Mais voilà, ça part de ce ballon long un peu mal négocié par Amy. Il leur en faut pas 50. Hein. Derrière, voilà, hein, Katoto qui ne tremble pas et qui finit devant le but. Il ne leur en faut pas 50, les attaquantes parisiennes. Une occasion pour Chawinga tout à l'heure et c'était but. Et une occasion pour Katoto. Et ça fait but également. Le PSG qui reprend l'avantage de 2-1. Ici sur la pelouse de Roudourou. Allez, rien n'est terminé. Il reste encore 30 minutes de jeu. Il n'y a qu'un but d'écart. On sait que tout est possible hein, sur un contre. Comme tout à l'heure hein, avec Aissata qui peut obtenir un pénalty ou des coups francs très dangereux, même si en face bah, on a apporté de l'expérience et ces occasions maintenant seront très rares à l'image de la frappe reprise là-bas de Laurie Teinturier. Marie-Antoinette Katoto qui a réussi donc à marquer pour la 11e fois de la saison en D1 Arkema. Elle qui a marqué avec l'équipe de France également il y a un peu plus d'une semaine contre l'équipe nationale d'Irlande. L'attaquante internationale bleue. Un but pour Chawinga, un but pour Katoto. L'attaque qui fait des ravages hein, chaque week-end en championnat. Alors, la fameuse doublette, on le disait juste avant, hein, Marie-Antoinette Katoto qui avait été assez discrète. En première mi-temps, mais voilà, hein, il lui en faut peu. Hein, une action devant le but en face à face avec la gardienne, la classe. But. C'est aussi une marque des grandes attaquantes. La classe à l'international. Il paraît qu'il s'est fait peur, hein, que ce soit en fin de première mi-temps, début de deuxième. Ouais, c'est ça, ils ont été obligés d'apporter voilà, deux changements quand même en deuxième mi-temps. C'est que forcément, ils ont eu le doute. Quel transversal. C'est vrai que c'est dommage, hein, Mathis, de se faire prendre à ce jeu-là. Pratiquement sur un contre hein, finalement sur une transition rapide et sur un petit peu d'incompréhension défensive. Ouais, c'est ça parce que voilà, on était quand même sur un 2 contre 1 derrière, donc c'était un ballon qui aurait dû être négocié plutôt facilement, mais on le dit souvent aussi, des fois les ballons les plus faciles
peuvent être compliquées aussi. Donc la rigueur et la concentration est primordiale, surtout sur ce genre de match-là avec des attaquantes de classe mondiale. Allez, Katoto à nouveau pour Chawingaros. C'est très très bien joué entre les deux. Quelle sortie de Marie-Morgane Sieber, remarquable. Très très bonne sortie, elle anticipe bien le coup, elle lit bien la trajectoire. Elle est montée très très vite sur l'attaquante. Elle sort bien sur les mains, elle fait l'arrêt qu'il faut. Et là, il fallait le faire parce que Chawinga va tellement vite. Oh ouais, et puis elle se trouve très très bien les deux. Elles ont une capacité à se trouver très très vite. En une touche, c'était déjà dans le dos de Maïwenn Renard pour Chawinga. Et pour ça, super arrêt de la portière guingampaise. Ouais, la doublette d'attaque d'une équipe qui peut encore viser le triplé cette saison. Le championnat, la coupe et même la coupe d'Europe, la Ligue des champions. Les Parisiennes sont qualifiées dans toutes les compétitions. La surface de réparation avec Teinturier qui essaie de se retourner. Elle revient de hors-jeu, c'est ça? Oui, apparemment ça a été signalé. Et on revoit ici la petite incompréhension dans l'arrière-garde avec Emmy Jezekel. Il y avait un 2 contre 2, mais voilà, il était négocié. C'était pas forcément un ballon dangereux en soi. Il n'y a pas le droit à l'erreur, un 2 contre 2 face à des attaquantes d'une telle qualité. C'est ça. Qui sont prêtes à exploiter n'importe quel ballon. Avec Jade Le Guy. Ballon au pied pour Vansgaard. Ouais. Le décalage a été fait. Roule. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle s'emmène le ballon. Un bon retour d'Aïssata derrière. Changer de couloir là-dessus. Ouais, non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Être capable de changer aussi, de garder le ballon. Hein. C'est aussi dans ces moments-là qu'on peut récupérer. Parce que quand on ne l'a pas, on doit défendre. On doit être encore plus concentré. Voilà, des fois, avoir le ballon, c'est une façon de récupérer. Ouais, Guingamp qui espérait valider son maintien ce soir. Je ne sais pas si on a un œil sur le score du match entre Montpellier et Lille le staff. Si. On le rappelle, Lille est à 11 contre 9. Termine avec une très nette supériorité numérique. Est à un but partout à Montpellier pour l'instant avec ce centre. Oh, qui se termine sur la barre transversale. Ah, il a surpris tout le monde. Ce centre que l'on va revoir, centre tir. Avec une grosse faute là-bas. Attention à ne pas craquer complètement. Côté Guingamp, on revoit ça avec Sakina Karchaoui. Alors qu'a-t-elle voulu faire pour le coup? Est-ce que c'est un centre selon vous, Mathis? Ouais, pour moi, elle veut l'enrouler sur un centre fuyant sur le second poteau. Elle part pour centrer. Même Marie-Morgane pense au centre aussi, mais il suffit que voilà. Un centre raté peut déboucher sur un but, vous le voyez. On en voit souvent, ça arrive. Ça arrive et là, ça aurait pu être le cas. Donc, être très vigilant sur ce genre de situation-là. Et un troisième but parisien viendrait crucifier totalement cette équipe de Guingamp. Et c'est vrai que là, après, combler un retard de deux buts face au PSG, C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ça paraît un petit peu utopique quand vous êtes la dixième équipe du championnat, même si en football, il y a parfois une part d'irrationnel. Ouais, et puis après voilà, les organismes commencent à fatiguer, on arrive à l'heure de jeu, on a dépassé l'heure de jeu. Oui, on peut dire que plus le match dure, plus il est en faveur, en principe, des Parisiennes. Exactement, surtout avec l'avantage parisien maintenant, voilà. Paris va continuer à faire le jeu pour accroître l'avance et faire le break. Alors c'est vrai qu'une équipe comme le PSG, dans cette discipline qu'est le football féminin, joue dans d'autres sphères, s'entraîne de manière totalement différente également. Ouais, bien négocié de la part de Marie-Morgane, mais là ça va être compliqué. Allez, peut-être avec la vitesse là-bas. Bien joué, on le voyait, elle était toute seule. C'est un bon dégagement, très très belle relance de Marie-Morgane. Allez, Laurie Teinturier qui va essayer de gratter quelque chose. Et oui, elle va gratter un coup franc. Ouais. Obtient la faute. C'est une belle relance de Marie-Morgane. Après, c'est vrai que Laurie Teinturier était seule, donc c'était compliqué pour aller au but. Mais elle a su garder le ballon, obtenir quelque chose. On le disait, c'est comme ça que Guingamp va pouvoir espérer de revenir dans la partie en obtenant des coups francs dangereux, potentiellement aussi des faits de jeu, des erreurs peut-être adverses. Elle ne pouvait pas espérer beaucoup mieux sur ce coup-là.
Laurie Teinturier qui permet donc à son équipe de se repositionner dans la surface adverse avec ce coup franc qui sera frappé par Sarah Cambo, une sorte de mini corner. Maïwenn Renard est monté, Amy Jezekel également. Et les encouragements du public à Guingampais cet après-midi. Alors on a envie d'y croire évidemment hein, du côté des spectateurs parce que l'équipe Guingampaise est déjà revenue à la marque tout à l'heure, quelques minutes après l'ouverture du score. Ouais, tout est possible. Alors est-ce que Sarah va chercher le second poteau pour une tête plutôt de Maïwenn Renard ou un ballon fort premier? Allez, c'est parti pour Sarah Cambo. C'est entre les deux, c'est bien frappé. Oh, attention, Nina Richard peut-être. Et le but, l'égalisation. Oh, ça a été dévié sur cette frappe de Nina Richard. Mais Guingamp revient encore à la marque. Oh, quel tempérament, c'est Guingampais qui n'en finissent plus de pousser le Paris Saint-Germain. Deux buts partout ici à Roudourou. Et ouais, on l'a dit, hein, on le disait juste avant. Voilà, c'est des façons de pouvoir revenir dans un match comme ça contre une équipe aussi solide défensivement et offensivement. Alors bon, solide défensivement aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés, bah, c'était un peu plus compliqué peut-être pour Paris. Mais voilà, c'est le football, même sans avoir trop le ballon sur les faits de jeu. On va l'accorder à qui ça, celui-là? Nina Richard ou une Parisienne? Si la frappe est cadrée, ça sera pour Nina. La frappe était cadrée, hein. Ça c'est une... Oui, c'est une certitude. Ah, Elle a été déviée par Vansgaard. Hein. C'est Vansgaard. C'est la règle. Voilà, Nina Richard, elle qui ne marque quasiment jamais, hein, ah, finalement. À confirmer, mais je pense que c'est son premier but de la saison. Et Guingamp qui va injecter du sang neuf, avec Samba qui va rentrer, Sana Daoudi. Voilà, c'est normal, hein, les organismes qui commencent à tirer un petit peu. Donc, elles font un match remarquable, hein, les Bretonnes. Quel tempérament, et comme tout à l'heure, elles n'ont pas attendu très longtemps pour réagir et pour égaliser. Et l'ambiance est en train de monter d'un cran encore. Hein. Ah ouais, et ça partait hein, encore une fois de Marie Morgan au départ, parce que le coup franc il est obtenu comment? C'est sur son dégagement, sur Laurie Teinturier qui maîtrise bien ce ballon et qui obtient la faute là-haut. Donc c'est comme ça aussi qu'on pourra espérer peut-être un troisième but. Alors parlez-nous Mathis des deux joueuses qui rentrent. Samba, c'est la nouvelle coqueluche un petit peu de l'équipe. Ouais, donc tout à fait, joueuse très rapide de percussion qui a marqué un but contre le LOSC. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, Et la sortie de Nina Richard donc qui vient de marquer. Exactement, ouais, c'est un choix parce que je pense que là c'est physiquement, hein, ça commence à tirer, on arrive à la 70e minute de jeu. On réinjecte du 109 et puis l'expérience aussi de Sana Daoudi dans le milieu de terrain. Voilà, donc poste pour poste à deux reprises finalement hein, au milieu de terrain. Et Samba qui prend la place d'ailière droite à la place de Teinturier, hein, je crois. Exactement, voilà, donc il va pouvoir apporter des grosses courses offensivement sur les transitions. Un choix fort, hein, parce que Teinturier a été celle qui a provoqué ce coup franc tout à l'heure menant au but. Et Nina Richard a été donc l'auteur de l'égalisation. Donc deux joueuses décisives qui viennent de laisser leur place. C'est ça, vraiment pour du sang frais ici et tenter le tout pour le tout. Il reste 20 minutes. Pour l'instant, le maintien est assuré, donc continuez là-dessus, continuez ce très bel effort. Ah, quel scénario cet après-midi face au grand PSG, hein, l'une des meilleures équipes d'Europe et qui est arrivée vraiment avec la grosse équipe hein, sur le terrain actuellement. Il y a pratiquement toutes les stars de cette équipe parisienne. Ouais, non, faut continuer là-dessus, c'est une très belle partie qu'elle livre. Elles ont su revenir au score à deux reprises et qui sait peut-être maintenant sur les 20 dernières minutes encore une fois sur un fait de jeu pourquoi pas marquer ce troisième but. Voilà, par contre faudra être encore plus rigoureuse derrière hein. Être capable aussi de ne pas en prendre, de mieux gérer ses 1 contre 1. Alors Guingamp qui n'a plus battu hein, le PSG dans son histoire depuis 2006. Waouh, a priori. Assez solide, hein. Dos au jeu, Chawinga, c'est vraiment impressionnant. Chawinga qui va essayer de trouver Katoto, les voilà, elle se trouve les yeux fermés, c'est de là où il y avait Baltimore qui avait proposé un appel dans l'axe. Ouais, ça part encore une fois d'une position de haut jeu aussi, on la laisse se retourner là-dessus, c'est très compliqué après de revenir derrière. Et c'est bien revenu, bon retour de Maïwenn Renard qui tire un peu la langue, hein. Là-dessus je pense que physiquement ça commence à tirer. C'est maintenant que ça va jouer hein, dans ces 20 dernières minutes. Ah, ce ballon qui est finalement est sorti, c'est dommage hein,
d'accuser ce genre de corner. Qui va être frappé par Sakina Karchaoui. C'est parti pour Karchaoui, c'est à nouveau tendu. Ouais. Avec le premier ballon, me semble-t-il, de Samba. Allez, reformer bloc. Samba qui est arrivé en début d'année 2024, hein, la joueuse du Népal, qui a marqué effectivement à Lille. Ouais, c'est une star là-bas. Hein. Il appelle la machine à but. C'est vraiment une star. On a découvert ça. Oui, c'est la meilleure buteuse de l'histoire de son pays. Exactement. Oh, ouais. Et puis, qui est très connue, qui a de nombreux supporters. On le voit sur les réseaux sociaux, ouais, exactement, notamment. Exactement. Ouais. Le nombre d'abonnés a flambé depuis son arrivée. Et on ne voit que des commentaires justement à son effigie. Allez, changement. Non. Allez, la pause fraîcheur. Ouais, la pause fraîcheur. Pause fraîcheur qui va permettre aussi aux deux équipes de jouer, de faire des réajustements tactiques, techniques aussi sur certaines. Et puis, bah voilà, sur les 20 dernières minutes. Tout est possible. Tenter d'inquiéter ces Parisiennes, comme elles l'ont fait là, sur le moindre coup de pied arrêté, sur une transition. On en profite, Mathis, pour revoir l'égalisation guingampaise. Avec ce ballon mal dégagé par la défense parisienne. Hein. Ça ne va pas plaire à Jocelyn Prêcheur, l'entraîneur parisien. Ouais, c'est ça. Et puis Nina qui se retrouve vraiment toute seule dans cette surface de réparation-là. Personne ne sort dessus. Ça lui permet d'ajuster. Avec le ballon dévié par Vansgaard. Ouais, avec de la réussite, hein, mais il en faut. Il en faut. Et on rappelle que 10 minutes avant, à peine, c'est Paris qui avait marqué le troisième but du match. Le but du 2-1 avec Marie-Antoinette Katoto, qui a fait preuve de lucidité devant le but à nouveau pour inscrire le 11e but de sa saison au championnat. Deux buts partout, on rentre dans les 20 dernières minutes. Allez, récupérer ce ballon, elle met au sol. Ok, il y a Samba qui est parti, si elle l'a vu. Ouais, c'est bien refermé de la part des Parisiennes ici sur la prise à deux. Par contre, oui. Petite faute là-dessus. Et on le disait encore, voilà, un coup de pied arrêté, un coup franc obtenu. Là, dans les 30 derniers mètres adverses, excentré, c'est des bons ballons à jouer. C'est une faute évitable de la part de Samoura. Ce n'est pas la première. Ouais, c'est ça. Et puis là, bah forcément, pour la confiance parisienne, je pense que là-dessus... Ils vont se dire les choses, là, intérêt d'écouter leur gardienne aussi, Constance Picot. Elles ont été souvent dangereuses hein, sur les coups de pied arrêtés, les Bretonnes, elles le savent, il y a un coup à jouer. Voilà, un bon ballon là, tapé entre la gardienne, les 6 mètres et le point de pénalty dans ces zones là, un peu dures à couper pour une gardienne. Sur le premier poteau. Allez, c'est parti pour le coup franc ici à Roudourou. Devant le public breton. Elle avec Sarah Cambeau, c'est bien frappé. Effectivement, oh, le troisième but guingampais. Incroyable. Alors, est-ce c'est Maïwenn Renard peut-être, je ne sais pas. On va retrouver ça sur les images. Hein. Moi, que ce soit une épaule parisienne également, mais ça fait bien 3-2 pour en avant Guingamp. Un quart d'heure de la fin, Mathis. Incroyable scénario. Et on le disait encore une fois, voilà, juste avant. Ces fameux coups de pied arrêtés, la zone... à chercher, bah, été retrouvé mais parfaitement Maïwenn Renard près, super bien tapé de la part de Sarah encore une fois avec sa très belle patte droite et puis bah, derrière voilà ouais, Maïwenn qui passe au-dessus de tout le monde. Allez, Sarah Cambeau donc qui botte ce coup franc. Maïwenn Renard à la réception, ouais, c'est le crâne de Maïwenn Renard, c'est ça qui est venu prolonger le cuir dans le but incroyable. Maïwenn Renard qui marque contre le Paris Saint-Germain, 3-2 pour Guingamp. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un exploit colossal? Et si, il reste un quart d'heure, c'est pas fini parce que c'est physiquement hein, que ça va se jouer. Ça va être le quart d'heure le plus long de la saison. Exactement. Ah ouais, c'est... Mais voilà, vaut mieux déjà mener 3-2 que l'inverse. Donc
Alors Maïwenn Renard, j'étais avec son grand frère la semaine dernière à Paris-Roubaix, qui est coureur cycliste professionnel. Hein. C'est vrai. Alexis, l'équipe, que l'on salue, l'équipe. Qui nous regarde peut-être, hein, qui roule sous les couleurs de Cofidis. Un autre maillot rouge. Et donc sa petite sœur qui marque contre le PSG quelques jours plus tard. Il y a du talent dans la famille. Excellent, ouais, c'est des super moments. Allez, maintenant, il va falloir être solide dans ce dernier quart d'heure. Et peut-être accroître cette avance aussi, parce que forcément, les Parisiennes vont vouloir faire le jeu, vont peut-être se découvrir un peu plus. Et pour des joueuses rapides comme Samba, devant, Aïssata aussi, et bien voilà, il va peut-être y avoir des coups à jouer dans le dos des pistons, là notamment. Guingamp qui n'a plus battu Paris depuis 2006. Rendez-vous compte, près de 20 ans. Ouais, c'est plus le même PSG, hein, évidemment. Ça reste une superbe performance là-dessus. Et c'est pas fini. Ah non, c'est loin, loin d'être terminé, naturellement, avec ce dernier quart d'heure de folie. Jade Le Guy. Ah, les Parisiennes vont faire le siège maintenant de cette équipe d'en avant, Guingamp. Ça va être plutôt en arrière, Guingamp, maintenant, pour cette fin de match. Attention à ce centre, le dégagement de Maïwenn Renard. C'est le ballon. Il va falloir se donner de l'air, sinon ça va être très très long. Avec Sandy Baltimore, la frappe et le but. Oh, l'égalisation qui n'a pas tardé. Sandy Baltimore, magnifique reprise de volée du pied gauche. 3 buts partout dans ce match complètement fou. Oh là 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 là, là. Il ne faut pas leur laisser le moindre minute. on ne peut pas, c'est tout de suite être... Ah, je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. Non, mais c'est impressionnant, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. C'est... Elles en payent vraiment les conséquences, mais... C'est impressionnant. Non, il faut reconnaître aussi la qualité individuelle de la joueuse, hein, qui se l'amène sur contrôle de poitrine et qui enchaîne très vite. C'est superbement bien joué. Le but est exceptionnel. Hein, c'est le plus beau but de la journée, de cette rencontre jusque-là. Sandy Baltimore. Reprise de volée en plus millimétrée, hein, tout près du poteau gauche, plein petit filet. C'est remarquable ce qu'elles sont capables de faire individuellement, ces Parisiennes. Allez, c'est pas fini, 3-3, mais écoute, ça nous donne encore plus de suspense sur cette fin de match. Alors Mathis, j'ai eu le plaisir de commenter deux rencontres qui se sont terminées par 4-3 avec Guingamp. Est-ce qu'il y en aura une troisième ? Ah là, en termes de spectacle, on y est. Hein. Tous les amoureux de football. Alors, je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure. J'ai commenté une victoire 4-3, une défaite 4-3 la semaine dernière. On va partir sur une victoire, alors. Voilà. Katoto. Attention, bien joué, bien négocié. Tout de suite, second ballon. Empêché, ok. Attention au centre. Ah, c'est potentiel. C'est un match très, très costaud, hein, dans l'engagement physique, mental. Guingamp PSG, 3 buts partout. Et pas de changement, hein, du côté de Montpellier-Lille. Lille qui joue à 11 contre 9, mais qui est toujours un but partout à 10 minutes du terme de la rencontre. Ah ouais, contre 9. Ah oui, elles sont. Il y a deux expulsés côté Montpellier. Hein. 2 cartons rouges, donc 11 contre 9. Dans les 10 dernières minutes. Et on peut penser que la fin de match est lilloise. Mais pour l'instant, ça ne se concrétise pas. On rappelle qu'en cas de match nul, hein, des deux côtés, que ce soit à Guingamp comme à Montpellier, ce serait le maintien obtenu par Guingamp cet après-midi. Exactement, tout est encore faisable. Allez, reformer, restructurer là. Avec Samoura pour Karchaoui. Safina Karchaoui qui rentre à l'intérieur pour trouver Gronen. Karchaoui encore. Bien négocié de la part de Manon, maintenant être plus proche. Avec Katoto, attention, 20 mètres. C'est un danger. Ouais, qui trouve Vansgaard sur le côté droit là, la Danoise. Le centre près du point de pénalty, c'est dégagé. Amalie Vansgaard derrière elle avec Le Guy. Le Guy pour trouver dos au but la puissance de Chawinga qui parvient à se retourner. Vansgaard. Nouveau centre dans la surface. Pour la tête de Revelli, l'action continue. Allez, Chawinga. Ouais, l'anticipation de la part de Penigel, mais on est toujours dans cette action.
qui n'en finit plus maintenant avec la sortie, la bonne anticipation d'Emi Jezekel. Une joueuse est à terre. Ouais, très belle lecture de la part d'Emi qui anticipe le centre en retrait là-dessus. C'est bien, va falloir communiquer. Hein. C'est les 10 dernières minutes là-dessus. Va vraiment falloir communiquer dans la défense avec notre gardienne, les milieux. Tout le monde va devoir défendre. Et voilà, espérer jouer les contres aussi. Profiter de ces temps morts pour récupérer, pour refaire un point. On revoit hein, pendant ce temps-là le troisième but Guingampais tout à l'heure qu'on n'a pas eu le temps de revoir suite à cette réalisation. Maïwenn Renard qui vient bien prolonger la trajectoire de ce coup franc de Sarah Cambeau pour marquer le troisième but Guingampais. Mais elles n'auront pas été longtemps devant à la marque. 2 minutes seulement. Avant l'égalisation de Sandy Baltimore. 6 buteuses différentes cet après-midi à Rudourou. Shawinga, Katoto et Baltimore contre Starova, Richard et Renard. Ouais, ça va pouvoir repartir. Starova s'est levé. Ouais, elle va sortir du terrain quelques instants pour être soigné. Également, on va jouer à 10. Il va falloir être très concentré là, sur cette phase-là. Oui, sur la prochaine action de jeu, effectivement. Ah, Starova qui va vite revenir quand même. Bon, il faut qu'elle fasse le tour du terrain hein, pour rentrer. Voilà, ce coup franc joué trop long. Hein, ça manque de justesse sur ce coup-là. On va prendre son temps pour permettre le retour de Starova en jeu. Allez, 10 minutes à peine dans le temps réglementaire. Et Montpellier qui tient toujours sur sa pelouse contre Lille à 9 contre 11. Le dégagement de Marie-Morgane Sibert avec un coup de coude sur la tête, ça fait mal à l'arrière du crâne. Et voilà, et encore une faute d'obtenue. C'est des moments importants pour casser le rythme aussi chez l'adversaire. Je pense que là, elle a pris un sacré coup derrière la tête. Sarah. Ouais, Sarah Cambeau, le capitaine. Et Marie-Charlotte Léger qui s'apprête à faire son entrée. Ouais, Marie-Charlotte qui a une grosse expérience, un gros vécu. Exactement. Il va pouvoir la porter. Compte plus d'une quarantaine de buts en D1. Qui avait été la meilleure espoir de la saison 2015-2016 en D1 Arkema. Et qui rentrera à la place de Anthony Starova. C'est donc un changement offensif hein, sur le papier. Ouais, c'est confirmé. Et c'est peut-être sur son coup de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des séquelles peut-être ? L'importance de Marie-Charlotte sur toute son expérience là-dessus, hein, essayer de garder des ballons, de faire preuve de maïs aussi sur certaines situations, obtenir des fautes. Voilà, c'est ça qu'on a privilégié, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'on va venir rechercher là-dessus. Il y a 3-3, essayer de rassurer un maximum le groupe. C'est un score, bien sûr qu'on signe pour garder ce score-là. Hein. Et changement pour le PSG également avec la sortie de Corbin Albert, la joueuse américaine au milieu terrain qui laisse sa place à Maniaba Folket. Le vent se réveille à Gannon. Et il sera frappé direct aussi, ce coup franc d'Emi, en espérant que quelqu'un coupe la trajectoire, mais ça n'est pas le cas. Attention sur ce dégagement. La tentative de déviation de Marie-Antoinette Katoto. Et tout de suite, là, il faut revenir en dessous ballon. Avec Vansgaard sur le côté droit. Paris qui se projette dans cette fin de match. 86e minute de jeu. Amalie Vansgaard, le centre, repoussé par Jezekel.
Et Aissata Traoré loin devant sur Samba qui n'est pas parvenu à contrôler ce ballon très puissant. On repart côté gauche avec Samoura Chawinga maintenant. Chawinga, ouais, dont le ballon lui a été pris. Ah, dommage. Ouais, c'était bien pensé, ouais, bien pensé par Sarah Cambeau qui avait vu Marie-Charlotte Léger de l'autre côté, mais moins bien exécuté. 3-3, y aura-t-il une équipe vainqueur cet après-midi pour ce match de gala, ce match de prestige qui tient toutes ses promesses sur FFF TV. Vansgaard à nouveau. Eh oui, attention, il y a Baltimore et son pied gauche. Baltimore, pied droit maintenant, ça passe au-dessus. Ah, pied gauche, c'était peut-être pas la même finalité. Ouais, en effet, ce ballon-là, je m'attendais sincèrement à ce qu'elle la reprenne en une, comme elle vient. Et finalement, elle a préféré le contrôler pour ajuster après. Ce qui n'était pas un mauvais choix parce que elle avait tout le but ouvert. Mais écoutez, on va satisfaire de cette occasion finie dans les tribunes. Hein. Allez, choix de relancer long de la part de Marie Morgan. Il restera 3 minutes dans le temps réglementaire. Sûrement aussi pas mal de temps additionnel de rajouter comme tout à l'heure avec au moins 5 minutes. Sarah qui arrive à passer l'épaule devant. Retour de Marie-Charlotte. Ok, le bloc, voilà, le Guingampé est bien compact ici. On laisse vraiment les côtés. Et bien défendu la part de Manon Révelli sur l'un contre un ici. Karchaoui qui conserve la balle. Et le bon pressing. Ah, bon pressing. Une petite faute qui a été sifflée pour Manon Révelli. Volonté d'être joué directement apparemment de la part de Sakina Karchaoui. Ça va tenter de faire le même coup que Maiwen tout à l'heure, donc être vigilante là-dessus. Donc voilà la ligne défensive qui s'aligne au point de pénalty. Allez, c'est parti pour Sakina Karchaoui dans la boîte. Bien, c'est un petit peu court. Allez, Cambeau. Oh, il y a quelqu'un qui était parti, c'est dommage, on lui avait parlé dans ce sens-là. Elle a joué vite, hein, mais ça a été contré. Elle le savait tout de suite que Marie-Charlotte allait prendre la profondeur dans le courant axial. Très bon repli défensif, hein, des Parisiennes qui sont sérieuses. Allez, Karchaoui, hein, Paris qui pousse encore. Et on le sent, il y aura des contres. Et pourquoi pas maintenant Marie-Charlotte Léger qui a le soutien de Cambeau, qui a le soutien également de Maïwenn Renard qui était monté. Et c'est sur ça, on le disait tout à l'heure, sur ce genre d'action-là où Marie-Charlotte va être très très précieuse. On pense que le ballon est perdu ou quoi, mais voilà, avec un peu d'expérience, elle va obtenir une faute qui n'est pas si flagrante du tout. Elle joue très bien le coup. Et ça permet au bloc Guingampé de remonter et de récupérer aussi sur ces temps-là. C'est une manière de gagner une ou deux minutes hein, d'ici là, à la fin de match. À condition de ne pas perdre trop vite la balle. Ah, c'est ça, et là, à la manière du rugby aussi, je pense que Maiwen allait chercher une touche très très haute, de façon à pouvoir pareil faire monter le bloc et récupérer le ballon le plus haut possible. Manque de réussite, ça basculera sur une relance parisienne. Attention avec ce ballon-là pour Chawinga. Baltimore. Avec Karchaoui. Touche beaucoup de ballons hein, ces deux-là. Elle se trouve encore sur un 1-2, un tout petit peu long pour Sakina Karchaoui et ça tient alors que l'on va rentrer dans le temps additionnel. Il me semble que l'arbitre assistante a. Ah, il y aura du temps encore. Hein. Ouais, je pense que ça sera minimum. S'il y a eu 5 minutes en première période, on les aura au moins tout autant en deuxième. Ouais, ça sera 6 même. On va l'avoir officiellement dans un instant. Avec la quatrième arbitre qui m'a indiqué tout cela. Et toujours un porto, comptez Montpellier hein, contre le LOSC. Voilà, nous y sommes dans le temps additionnel, 6 minutes. À Montpellier, c'est pratiquement fini. Hein. Ouais. À Montpellier, on est dans la 95e minute de jeu. Et Lille qui pousse évidemment à 11 contre 9. Le ballon dans les gants. Et dans les bras de Marie-Morgane Cibert. En cas de match nul entre Montpellier et Lille.
Et si Guingamp tient ce match nul également à Roudourou. Bref, si on en reste là, eh bien ce sera le maintien qui sera officiel pour les Bretonnes cet après-midi. Le dégagement directement en touche dans les bras de Jocelyn Prêcheur qui relance tout de suite son équipe. Baltimore, la capacité technique. Jade Le Guy pour l'une des dernières remontées de balles. Allez, discipliné défensivement. Voilà, forcer l'adversaire à jouer long, c'est très bien. Et prendre son temps après sur tout ce qui va être relance. Ah, le choix de jouer long. Il va falloir être forte aussi à la retombée de ce ballon et au second ballon. Ah, ça sera sûrement joué sur Yaya Matisse, hein. 96e minute et Lille qui marque à Montpellier. 2-1 pour les Lilloises. À Montpellier, 96e minute de jeu. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça signifie que le maintien n'est pas encore validé pour Guingamp. Aïe, aïe, aïe. Bon, elles auront 4 points d'avance hein, si on en reste là quand même à 2 journées de la fin. On reste concentré, vigilant avec Sakina Karchaoui. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Bon, on ne parlera pas de maintien ce soir, à moins que Guingamp ne parvienne à marquer en contre une dernière fois et s'imposer. Mais il faut d'abord ne pas perdre, hein, parce que là, c'est Paris qui pousse, évidemment, avec cette tête plongeante de Maïwenn Renard. Karchaoui, deuxième chance, elle déborde. Le centre du pied gauche de Karchaoui avec Vansgaard, peut-être. Ah oui. Prends ton temps. Ouais, bien joué. La tête de la Danoise, mais pas de problème pour Sieber. Ah, ça serait une belle opération quand même hein, d'aller chercher un nul tout à fait là-dessus. Ça sera peut-être un point qu'on viendra accueillir avec grand plaisir à la fin de la saison. On rappelle que Guingamp enchaînera par le déplacement à l'Olympique Lyonnais. Exactement. Hein, et prochain pour match. Finir sur la réception du HAC le 8 mai prochain. Alors que Lille, Lille accueille Bordeaux au prochain match. Hein. Eh, c'est pour ça que ce point-là fait. Avant de se déplacer à Saint-Etienne, donc il y a la possibilité hein, pour les Lilloises peut-être de terminer en boulet de canon. Bref, Samba. Allez, Samba dans les tout derniers instants qui n'a pas réussi à glisser la balle. Dommage. Jouer Sarah qui vient apporter de la stabilité. Il reste 1 minute 30, Mathis. Hein. 1:30 ici à Guingamp. Ouais, même plus, hein, 2:30 hein, parce qu'il y avait 6 minutes de temps additionnel. Ça fait 93 minutes et 30 secondes pour le moment. Il faudrait être très concentré sur la moindre situation. Paris qui va pousser jusqu'au bout hein, parce que forcément, ils ne sont pas venus là pour aller chercher un nul. C'est la 20e journée, hein, l'antépénultième journée de championnat en D1 Arkema. Sandy Baltimore. Il y a du monde à gauche avec Sakina Karchaoui qui va encore trouver la surface de réparation sur ce centre. Elles sont héroïques, les défenseuses guingampaises. Elles repoussent tous les ballons. Allez, relève-toi Sarah. Ça enchaîne très vite derrière. C'est terminé à Montpellier. Lille s'impose 2-1 dans les tout derniers instants avec le ballon dans la surface à nouveau. Ouais, la bonne couverture de balle. Sortie de but pour en avant Guingamp. Lille qui s'impose donc à la 96e. Et Imane Touris qui va rentrer. Jeune attaquant U19 qui est aussi capable de jouer en 10. Excentré, 10 sur le front de l'attaque. Il va sortir. Ah bah oui, c'est Sarah je pense qui va sortir. Elle va rentrer pour 1 minute, hein, Imane Touris. Voilà, plutôt pour casser le rythme maintenant. Hein. C'est encore un changement plus stratégique que tactique, j'ai envie de dire. Avec l'idée d'allonger cet arrêt de jeu un maximum. Sarah Cambo qui va effectivement laisser sa place au prochain arrêt de jeu s'il y en a un d'ici là. Car on entre dans la toute dernière minute de jeu. Allez, Aissata Traoré. Allez, ce coup franc est important. Hein, ouais, voilà. Coup de sifflet assez généreux là pour les Bretonnes qui vont pouvoir faire monter le bloc, prendre leur temps également pour aller chercher ce point du match nul. Et la sortie. Sortie de Sarah. La sortie de Sarah Cambo, le capitaine de cette équipe d'en avant Guingamp. Sarah Cambo qui la semaine dernière a été buteuse et double passeuse décisive.
qui a été essentiel aussi hein, aujourd'hui avec sa patte droite pour les tout ce qui est corner. Et que 2 km parcourus. C'est un élément moteur de cet effectif dans la création du jeu, dans tout ce qui va être aussi communication, leadership. Allez, la dernière, Mathis, la dernière, parce que là on rentre dans les 30 dernières secondes maintenant. Et la dernière sera peut-être pour le PSG. Attention dans le dos de la défense. Oui, Maïwenn Renard qui s'en sort très très bien. Yeah, et ça passe peut-être pour Marie-Charlotte Léger. Oh, cette fin de match, il y a de la folie. On sent que tout peut arriver avec un coup de sifflet en faveur de Guingamp. Paris ne viendra plus marquer maintenant. 96 minutes et 25 secondes, le temps additionnel qui est dépassé. Tout se joue là-dessus. Ça va être frappé direct hein, pour aller essayer d'aller chercher ce quatrième but. C'est encore possible. Le carton pour Samoura. Je pense que là, tout le monde va monter. Emi Jezekiel va s'en charger. Alors, est-ce que Maïwenn va monter ? Oui, est-ce qu'ils vont jouer la sécurité ? Allez, la toute dernière. La sécurité. La toute dernière, elle est maintenant. Ça vient caler ça sur MC, Marie-Charlotte Léger. Et... Non, je sais pas conserver. Le dégagement parisien, Karchaoui, que dit l'arbitre ? Le coup de sifflet final ! Ici à Roudourou, 3 buts partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Ah, c'est un match nul qui vaut une victoire, évidemment, pour les Bretonnes qui se congratulent. Elles ont le droit d'être heureuses ce soir parce qu'elles ont sorti un gros, gros match de football face à cet ogre parisien, l'une des toutes meilleures équipes mondiales, qui a été tenue en échec ici au stade de Roudourou. Ah, c'est une très, très belle performance côté Guingampé. Elles ont su jouer avec leurs armes, c'est-à-dire bien défendre et jouer les coups de pied arrêtés, tout ce qui est en transition.